Allez, je vous propose de démarrer. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue, bien sûr, à chacune des élus, les gens dans le public, les organes de presse et services, bien sûr. Je propose donc que nous démarrions avec la lecture des procurations via un certain nombre d'absences. Jérôme Valcézia donnant procuration à Sandrine Giacometti, Chantal Vautrin donnant procuration à Thierry Bisson, Madani Filali, qui devrait arriver en retard, donne en attendant procuration à Dominique Marker, Michel Ballant donne procuration à Emre Demir, Corinne André devait donner procuration à Romuald Mongeon-Jean, mais elle a pu rentrer un peu plus tôt que prévu, donc on annule cette procuration. Je vous fais fi de la lecture de la note de synthèse, vous l'avez eue, donc on va éviter ce supplice. S'agissant donc du procès-verbal de la séance du 9 février dernier, est-ce que vous aviez des remarques ? Vous n'avez pas de remarques, il est donc adopté. S'agissant des décisions, également, avez-vous des questions sur les décisions ? Non ? Bon, rien d'extravagant ? Non ? Eh bien, celles sont adoptées. Allez, on attaque avec les affaires foncières, donc des acquisitions de parcelles. Une affaire assez mineure, à vrai dire, hein, mais donc il faut néanmoins traiter. On est sur le secteur donc des Charmies. Il y a un certain nombre de parcelles dont le CCAS est propriétaire. Ce sont les parcelles 647, 648, 651 et 520. Elles sont entretenues régulièrement par les agents de la commune, hein, bien entendu. Et donc pour faciliter la gestion foncière donc de ces secteurs, hein, dans la mesure où la ville envisage notamment de réhabiliter un certain nombre de places et placettes dans différents endroits de la ville pour restaurer une image un peu plus attractive, on envisage donc effectivement d'acquérir auprès du CCAS, qui est d'accord, l'ensemble de ces parcelles. Voilà, donc il y a un prix à 1 561 €, mais globalement... entre le CCAS et la commune de Taron, on envisage de le faire à titre gratuit. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur cette délibération ? Elles ne sont pas dans l'ordre d'importance, les délibérations ce soir, je vous préviens. Ensuite, donc, toujours s'agissant... Donc, est-ce que quelqu'un est contre ? Non ? Abstention ? Non, très bien, c'est adopté. Donc, approbation et autorisation d'une convention de mise à disposition auprès des jardins de Cocagne, qui exploite depuis pas mal de temps plusieurs terrains, notamment dans la partie NJ sur notre PLU, hein, entre la rue de la Hédélès et la rue du Voie de la Rose, pour leur activité de maraîchage. Bon, il s'avère que... une convention avait été déterminée en 2019, mais de manière un peu rapide et qui aurait dû passer en conseil municipal. Ce n'a pas été le cas. On propose d'attribuer par règle de droit et par le biais du conseil municipal ces possibilités d'exploitation à l'attention donc des jardins de Cocagne avec un certain nombre de restrictions. Par exemple, bien sûr, la proscription de... on veut vraiment... proscrire l'utilisation de tout produit phytosanitaire, de pesticides, d'engrais chimiques. On veut une pratique du tri et un recyclage des déchets qui soit vertueux, une gestion économe des ressources naturelles, en particulier l'eau. Hein. Ça avait particulièrement mal commencé, hein, en début de mandat. Un forage de 15 mètres dans la nappe de la Moselle qui est sans autorisation. On a remis un peu tout ça d'équerre. Et l'interdiction de mener des activités susceptibles de polluer le sol. Et l'interdiction de coupe de sapins, parce que globalement, il y a une des parcelles que nous mettons à disposition, sur laquelle trois sapins, sur la 615, me semble-t-il, il y a trois grands sapins, et donc les jardins de Cocagne nous demandaient de pouvoir les couper pour faciliter et d'avoir une plus grande emprise donc, sur les sols. Mais je ne souhaite pas donner une suite favorable à cette demande, compte tenu que c'est le seul endroit où on peut avoir un peu d'ombre sur la parcelle et que bah, les ouvriers... en insertion des jardins de Cocagne, sont comme tous les autres, peuvent souffrir de la chaleur et des canicules en été. Voilà, donc si vous avez des questions sur cette délibération, sur cette convention, donc on part sur une durée d'un an, hein, avec renouvellement express, hein, reconduction express, pour s'assurer bien sûr du respect des modalités qu'on met en avant. Bon, c'est important, hein, puisque ça permet au jardin de Cocagne de disposer quand même de nombreux mètres carrés supplémentaires pour développer leur activité de maraîchage. Voilà. Avez-vous des questions, des remarques ? Non ? Mais ce rapport aux voix, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie.
Donc, nous aurons deux délibérations sur le schéma d'accueil dans la première couronne spinalienne. On a déjà délibéré au mois de novembre. Il faut prendre deux délibérations maintenant distinctes, donc pour d'abord le schéma d'accueil sur le principe hein, donc, du diagnostic et puis le plan opérationnel. Je propose d'aller vite puisqu'on en a déjà parlé la fois dernière. Globalement, pour rappeler tout simplement en deux mots le contexte, avec la crise sanitaire, mais même sans la crise sanitaire, les gens aiment bien se promener dans les bois et de différentes manières, à pied, pour aller chercher des champignons, pour faire du VTT. Mais il y a également l'exploitation forestière, il y a la chasse. Donc il y a énormément d'usages différents de la forêt et qui méritent. Alors, qui méritait, selon la ville d'Épinal, donc de mettre en place un diagnostic et un plan d'action et qui, chemin faisant, sans mauvais jeu de mots, a souhaité associer les communes aux alentours pour essayer d'optimiser ce schéma d'accueil. Parce que, comme on le disait, je le disais lors du dernier conseil municipal, vous ne savez pas à quel moment vous êtes dans la forêt de Taon, dans la forêt d'Uxenier, dans la forêt de telle et telle commune. Et donc, il fallait sans doute mettre en place, et on est assez d'accord avec ça, un schéma d'accueil spécifique. Assez surpris qu'un certain nombre de communes n'accompagnent pas la démarche. C'est vraiment dommage, mais bon, nous, on était OK. Et donc, je vous propose d'entériner donc cet accord-là. Donc, c'est un schéma d'accueil qui engendre, une contingence financière, puisque chaque commune participerait d'abord à l'étude, bien sûr, et c'est d'ailleurs cette convention-là dont il va être question, c'est de participer chacun au prorata du nombre d'habitants et des surfaces de forêt que nous avons au financement de l'étude qui représente pour Taon-les-Vosges environ 3 200 euros. Je n'ai pas les centimes, mais j'en fais fi. Voilà, donc je vous demande de rapporter la délibération du 18 novembre, d'approuver donc sur la base du projet inclus dans la convention relative à l'élaboration donc d'un diagnostic préalable à la réalisation d'un schéma d'accueil autour de la première couronne spinalienne. Vous avez notamment la liste des communes en haut de la convention qui était jointe aux délibérations qui s'associent dans cette démarche. Voilà. Est-ce que vous avez... Alors, ensuite, on va avoir la délibération sur le plan opérationnel. Est-ce que vous avez besoin de précision à ce stade? Non? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà, donc sur le plan opérationnel, je ne vais pas refaire le laïus que je viens de vous faire, mais globalement, c'est pour déterminer que la ville d'Épinal donc sera en charge pour le compte des communes qui vont en délibérer de porter la procédure d'élaboration donc du schéma d'accueil en forêt et d'effectuer notamment les demandes de subvention pour la prise en charge de tout ou partie des frais correspondants. Et donc, dans ce cadre et pour financer cette opération, les autres communes associées du projet sont donc amenées à participer financièrement par le versement d'une contribution financière à la ville d'Épinal, selon la clé de répartition que je vous ai déjà exposée il y a donc un instant. Donc là, vous avez la convention de partage des frais financiers qui était annexée, déterminant le reste à charge pour chacune des communes dans le cadre de cette convention. Il est à rappeler quand même que... Parce que plan opérationnel, il ne faudrait pas se tromper. C'est vraiment le plan là, permettant le financement de l'étude. Parce que s'agissant donc des actions derrière à mettre en place, il est quand même pour l'instant convenu que chacune des communes porte ses investissements et ses réalisations. Et évidemment, quand l'étude sera livrée, on pourra la partager, bien entendu, c'est une évidence. Mais chacun n'est pas contraint d'appliquer la conclusion qui sera donnée par l'étude. C'est une aide à la décision. Évidemment, ça tombe sous le sens, me semble-t-il. Voilà, donc avez-vous des remarques, des questions sur cette délibération, cette convention? Non? Bon, je propose de la mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Cette fois-ci, donc, une convention de mise à disposition de locaux, et on est sur l'ancienne trésorerie, là où se situe la maison France Service, que nous avons pu donc inaugurer il y a maintenant quelques jours, il y a une semaine d'ailleurs, tout à fait. Donc, pour rappel, la Comdaglo, c'est elle qui loue le bâtiment qui appartient donc à la société PH Immo, qui est détenue par M. Hummel, Pierre Hummel, qui est un investisseur, qui a quelques opérations sur Taon-les-Vosges, pour un bail donc d'une durée de 12 ans. Là, l'objectif, vous le savez, c'est d'accueillir et d'animer le site France Service, avec d'ailleurs un deuxième recrutement, tant l'activité est soutenue,
Et d'ailleurs, depuis l'installation de la Maison France Service à cet endroit, le nombre d'accueils est en constante progression. Alors qu'il y avait déjà une progression grâce à la nouvelle équipe d'animation dans les locaux de l'Arche Bernadette. Donc là, on est sur des évolutions et un nombre d'accueils qui est en augmentation exponentielle. C'était l'objectif aussi, hein, de ce transfert. Donc le PETR mobilise deux agents, je vous l'ai dit, hein, pour la gestion et l'animation du site. C'est vraiment la porte d'entrée pour contacter les différents services publics et qui est donc une grande aide à l'attention de la population. Et donc le cadre d'intervention est conforme à un cahier des charges qui est établi par l'État et qui est bien entendu validé également par le conseil départemental qui participe au financement de ces maisons France Service. C'est une originalité, hein, la commune de Thaon, nous l'avons souhaité dès le début de cette nouvelle conception Avenue des Fusillés. Participe avec une animation numérique par l'intermédiaire donc du conseiller numérique qui est donc installé dans cette maison. Donc on y trouvera régulièrement trois personnes, les deux animateurs France Service et le conseiller numérique. En dehors des institutions qui viennent aussi hein, dans cet ensemble, je citerai la mission locale par exemple, la direction départementale des finances publiques, la CAF, la CPAM et tant d'autres. Voilà, donc c'est une convention tripartite qui est proposée dans cette délibération afin d'approuver la convention de mise à disposition de locaux avec l'agglo LPETR qui porte les maisons France Service et de m'autoriser à signer cette convention. Une inauguration qui s'est faite en présence d'un certain nombre de personnalités, dont Madame la Préfète, secrétaire général de la Préfecture, le président du Conseil départemental ou encore le sénateur des Vosges et de nombreux élus, c'était bien, de nombreux élus d'ailleurs de la commune. Avez-vous des questions, des remarques? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc là, je vous propose d'approuver, de m'autoriser à signer une convention avec l'association Rescapat, qui n'est donc plus une inconnue sur le territoire communal, puisque depuis l'année dernière, c'est l'association que nous retenons pour travailler sur Thaon-les-Vosges à l'éradication, si je puis dire, hein, puisque c'est un travail laborieux et de longue haleine, des chats errants, des chats perdus, et qui nécessitent une action. On l'a déjà dit, hein, si les propriétaires étaient sérieux, on n'aurait pas besoin de le faire, mais on ne peut pas laisser proliférer ce problème, puisque ça poserait un véritable enjeu de sanitaire, hein, de crise sanitaire, ce qui est déjà parfois le cas sur ces populations donc de chats errants et ou abandonnés. Donc ce partenariat a donné satisfaction, hein, puisque j'ai plus les chiffres en tête, enfin sous la main, mais je les ai en tête. On avait conventionné pour prendre en charge un certain nombre de chats et l'association s'est occupée de, je crois, Dominique, de 166 chats, hein, l'année dernière. 100 chats donc, qui ont été stérilisés, identifiés, et 70 chats supplémentaires qui ont été mis à l'adoption. Si. L'association allait bien au-delà de la convention, en sachant quand même que le coût moyen, il peut être d'à peu près 100 euros par chat. Hein. Alors ça dépend si c'est un mâle, une femelle, ça dépend si effectivement il y avait une portée, pas de portée, etc. Enfin, donc c'est un sujet quand même assez compliqué. Et donc on envisage bien entendu de reconduire cette convention avec cette association sérieuse. On aura ensuite une délibération sur la mise à disposition de locaux. Bien entendu, enfin, c'est le sens de cette délibération, pardon. Il y a donc un bâtiment modulaire qu'on propose, qui a été installé donc aux ateliers municipaux à Innova 3000 et qu'on propose de mettre à disposition gratuitement. Pourquoi? Ça facilite grandement le travail de l'association, hein, puisque ça permet d'y stocker entre guillemets les chats. En attendant ben une adoption, en attendant potentiellement un soin avec le vétérinaire. Donc ce fut un investissement important, mais ça va nous donner une meilleure réactivité dans la prise en charge de ces chats. Voilà, donc je ne reviens pas sur le contenu de la convention, sauf si vous avez des questions, si vous avez des remarques sur cette convention. Non, pas de remarques, pas de questions, mais aux voix, qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Nous devons présenter tous les ans un état annuel des indemnités donc perçues par les conseillers municipaux. Je sais que beaucoup de communes ne le font pas, hein, et c'est une obligation, notamment
de la loi 2019-1461 qui a été votée donc, il y a maintenant 3 ans, 4 ans. Et donc, vous aviez annexé donc, le montant des indemnités des élus. Donc, globalement, un conseiller municipal délégué a perçu brut, hein, 1833 euros donc, sur l'année. Un adjoint au maire, 7328 euros. Et le maire, 21978 euros. Vous pouvez rapporter ça au net. Globalement, donc, ça rassemble une somme de 128 000 euros sur l'ensemble de l'année 2022. Bon, si on prend pour 26 élus indemnisés, hein, et si vous reprenez le total de 2019, on était à 168 940 euros. Hein. On a largement tenu les engagements de diminution des indemnités, ce qui, entre nous, et on l'avait dit en début de mandat, hein, c'est une position qu'on partage, mais c'est une position qui, par rapport aux responsabilités et aux sacrifices, hein, c'est, voilà, il ne faut pas faire de démagogie en disant que c'est encore trop. Hein. C'est notoirement insuffisant. C'est juste un rapport à la relation au mandat que nous avons voulu particulièrement désintéresser, qui nous a amené à prendre cette position. Ça ne fait pas de mal de le rappeler quand même, hein, puisque on était quand même sur une diminution massive des indemnités, hein, aux élus. Et c'est comme ça, c'était un choix. Hein, voilà. Donc ce n'est pas à mettre aux voix, c'est un rapport qui est communiqué. Mais bon, je pense que personne ne serait contre ce genre de délibération. Voilà, je vous propose donc d'aborder le sujet du budget. Et là, on est au cœur de notre conseil municipal, même s'il reste des délibérations importantes après. Un budget que nous votons, enfin que je vous propose, il n'est pas voté, mais je vous propose le vote de ce budget plus tardivement qu'à l'habitude. Ce n'est pas du tout un souhait ni personnel ni collectif, mais nous avons face à nous un nombre d'incertitudes vraiment colossales. Il a été particulièrement ardu de monter le budget cette année, pour des raisons que vous connaissez, sans doute, liées à la crise énergétique, liées à l'augmentation décidée unilatéralement par l'État d'augmentation du traitement des agents publics, liées à une inflation sans précédent, en tout cas depuis au moins 30 ans ou 40 ans. Et donc, en conséquence, je ne pensais pas très opportun de vous proposer un vote au mois de décembre ou au mois de janvier et de vous proposer de tout redétricoter au mois de mars ou au mois d'avril. Donc, on a pu recourir à l'ouverture anticipée des crédits nous permettant de fonctionner, de nous engager sur le moins de choses possibles qui doit passer par le budget, même si on a eu des ouvertures anticipées de crédit qui nous ont permis d'avancer sur des opérations déjà convenues et sur lesquelles on voulait avancer. Mais je dois vous dire qu'effectivement, ça a été une épreuve assez douloureuse. Je rappellerai simplement sans doute un des éléments les plus marquants de la construction budgétaire, ce sont les frais de fluide, simplement pour chauffer ou éclairer les bâtiments. Où globalement, le contrat qui nous liait avec la métropole du Grand Nancy, le prestataire c'est Total Energy, nous amène, après il faut ajouter nos frais avec IDEX pour le gaz, mais on passe d'environ 300 000 euros d'électricité, rien que pour l'électricité, hein, on passe de 300 000 euros à 700 000 euros en 2023, en sachant qu'en 2022, c'était déjà une augmentation importante par rapport à 2021. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. À un moment donné, on n'a pas décidé d'éteindre le chauffage dans les écoles, on n'a pas décidé de faire 5000 euros d'économie en éteignant la nuit, parce que voyez bien que quand vous avez 400 000 euros à trouver, c'est pas en allant chercher 5000 euros en fermant les lumières la nuit que vous résolvez le problème. Il y a d'ailleurs, je dois le dire de ce point de vue, un certain nombre de démagogies d'un certain nombre de collègues dans un certain nombre de mairies, qui, globalement, sont protégés de la hausse de... C'est important de le savoir. Les communes de moins de 10 agents et de moins de 2 millions d'euros de budget ont bénéficié du bouclier tarifaire. Très bien. Donc, vous aviez une augmentation maximale de 5% en 2022 et de 15% en 2023. Nous, on prend 128%. 128%.
Et nous, on n'a pas le bouclier tarifaire. Hein. Néanmoins, ceux qui avaient le bouclier tarifaire, et j'ai des collègues hein, dans l'aglo, hein, que je ne citerai pas, parce que pas les mettre à l'amende, hein, mais qui globalement ont pris des mesures supplémentaires d'économie, par une peur de je ne sais quoi, et qui globalement vont faire des économies. C'est-à-dire que contrairement à nous qui allons passer de 300 000 à 700 000 euros en électricité, vont avoir une dépense d'électricité qui diminue. Hein, et qui font comme ça devant la presse en disant on a éteint, on a fait des mesures d'économie. Alors même qu'eux étaient protégés face à cela. Et je trouve que quand même c'est relativement déloyal vis-à-vis des communes de, très grande, de plus grande taille, telles Thaon-les-Vosges. Je ne vous parle même pas de la situation d'Épinal, qui est forcément plus compliquée, parce que plus d'agents, plus de bâtiments, etc. Et c'est pas en éteignant l'éclairage public que vous résolvez le problème. Et il s'agit peut-être parfois de discernement et de solidarité, mais c'est peut-être beaucoup demandé. S'agissant donc de notre budget, on doit prendre un certain nombre de décisions. Je les ai annoncées lors des orientations budgétaires. Il était très difficile, sinon peu accessible, de conserver une politique d'investissement sans recourir au levier fiscal. Hein, je ne vais pas prendre une demi-heure et tourner autour du pot pour annoncer la chose. Évidemment, c'est un budget proposé avec une augmentation des impôts fonciers bâtis de 5%, une augmentation du taux de 5 points, pour être en mesure de maintenir notre investissement et donc de maintenir des projets dans un contexte où on a de nombreux bâtiments et de nombreuses routes qui méritent un traitement. Et on ne construit pas des pyramides hein, ici, hein, on fait juste de l'investissement de base hein, pour réussir à globalement mettre la ville à niveau. Hein. On n'est pas dans des ambitions démesurées. Hein. On ne construit pas la bibliothèque de France hein, ici. Hein. C'est pas du tout la volonté. Donc on veut juste remettre à niveau nos équipements pour ne pas avoir une dépréciation encore plus forte de tout ce dont on est propriétaire, routes et bâtiments, puisque si vous n'investissez pas, évidemment, ça peut tenir quelques années, mais vous avez, in fine, ensuite des travaux beaucoup plus lourds à porter. Et c'est un peu la situation face à laquelle nous devons faire face, où on ne peut plus se contenter de mettre du patin sur chacune des routes. Certaines sont à reprendre de fond en comble, avec l'agglomération d'Épinal, parce que c'est des endroits où les réseaux d'assainissement sont très fatigués, les réseaux d'eau potable sont très fatigués, et il n'est pas raisonnable de laisser fuites et dégradations se poursuivre. Donc c'est notre contexte, c'est notre position. Et donc, évidemment, je propose qu'on ne se défile pas et qu'on ne soit pas toujours en train de pleurer, pleurnicher, c'est dur. Il faut prendre des décisions à un moment donné et avancer pour garder un plan d'investissement correct. Ce n'est pas une augmentation de fiscalité pour augmenter l'indemnité du maire ou pour faire des voyages ici et là. Hein. Les frais de représentation du maire, c'est quelques dizaines d'euros par an. Hein. Donc il faut remettre chaque chose un peu à son échelle. Nos marges de manœuvre sont inexistantes. Sauf à prendre des décisions autrement plus lourdes. Hein. On aurait pu supprimer, par exemple, les subventions aux associations sportives. On aurait économisé 150 000 euros. Ça veut donc dire quand même que dans le contexte qui est le nôtre, on aurait donc mis à mal l'ensemble des tissus, même détruit le tissu associatif sportif, par exemple, ce n'est qu'un exemple, sans régler nos problèmes. C'est alors, bien avoir la posture du samouraï hein, et se foutre un sabre dans le ventre, hein, mais à un moment donné, il faut qu'on résolve les problèmes, hein, il ne faut pas qu'on en crée de nouveau. Et donc ce budget a été construit dans cette philosophie. Donc je proposerai que chaque adjoint au maire présente sommairement en quelques minutes hein, donc les principaux éléments relevant de chacune des thématiques du budget. On peut peut-être revenir d'abord sur les éléments dans le PowerPoint qui va être ici diffusé, sur les éléments principaux. On va commencer d'abord par le budget annexe donc de la forêt. Je vous propose d'aller assez vite. Hein. Il faudra par contre qu'on vote sur chacun des budgets à la fin et par section. Donc le budget annexe de la forêt, je vous propose d'aller assez vite. Ce budget plutôt le reflet de ce qu'on peut observer d'année en année. 85 200 euros en dépenses et en recettes.
et 20 200 euros également en dépenses et en recettes d'investissement. Étant entendu qu'il y a quand même environ 50 000 euros prévus pour l'entretien régulier de la forêt et l'ensemble compensé, la participation au syndicat de la foresterie, comme on en avait convenu, de 15 000 euros par an, avec une très belle opération de reforestation d'ailleurs dans la 15 000 plants à peu près plantés, vraiment remarquable. Et c'est les produits de vente de bois qui couvrent l'ensemble. Il n'y a pas de participation, bien sûr, du budget principal. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques, je vous propose de continuer. N'hésitez pas. La maison de santé, 2023, on a en dépenses et en recettes de fonctionnement 105 534 euros, avec donc principalement des charges à caractère général qui seraient prises en charge par la ville et majoritairement remboursées par les professionnels de santé. On attend encore de connaître le pack précis des services que les professionnels vont recourir auprès de la ville. Mais globalement, ça fait 25 000 en recettes, 30 000 en dépenses, puisqu'il y a certaines dépenses que nous devons conserver relatives aux charges de propriétaire. Les intérêts de l'emprunt, puisque je vous le rappelle, on a emprunté 1 million d'euros pour équilibrer l'opération, donc 6 000 euros à peu près, 5 998, et un virement à la section d'investissement, notamment pour couvrir le remboursement capital de ce même emprunt, puisqu'il y a 64 100 euros de capital de dette. Donc les 69 000 de virements à la section d'investissement en dépenses, vous les retrouvez en recettes d'investissement qui couvrent donc ce que je viens de vous dire, plus une petite provision de travaux. On espère ne pas avoir à faire beaucoup de travaux puisque le projet est en finalisation. Le projet est quasiment livré avec un emménagement des professionnels de santé qu'on imagine se faire au mois d'avril. Avec des discussions qui sont en train donc de se boucler dans une certaine forme de douleur. Je ne vous le cache pas, mais nous y arriverons, puisqu'il s'agit de la santé quand même des Taonnais. Donc je pense qu'il est important que les professionnels emménagent rapidement. Voilà, sur le budget annexe résidence senior, donc on espère vendre cette année. On a quelques difficultés avec les constructeurs du bois qui globalement devraient livrer une déclaration d'achèvement de travaux qu'on a bien du mal à obtenir pour des raisons curieuses. Donc on espère démêler cela cette année. En recette, donc on a 6 580 euros de produits exceptionnels en provenance du budget principal puisqu'on n'a pas de ressources propres. Mais c'est vraiment temporaire, pour couvrir les fluides, il faut quand même chauffer un minimum l'équipement, et des intérêts d'emprunt, puisqu'on a dû compléter le financement de l'opération par un emprunt en début de mandat, je pense que vous en souvenez. 6 580 euros en dépenses et en recettes. Section d'investissement, il y a donc là un remboursement capital de l'emprunt pour 25 000, et le produit de la vente, donc attendu pour 790 000 euros. Avec un reversement prévu au budget principal lorsque l'opération sera conclue. Voilà, je vous proposais peut-être de voter sur chacun de ces budgets annexes, qu'on n'oublie pas ça tout à l'heure. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur ces différents budgets? Non? Je vous propose de les mettre aux voix. Donc budget forêt, fonctionnement, est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Non? Il est adopté. Le budget d'investissement en forêt, est-ce qu'il y a des avis contraires? Abstention, c'est adopté. S'agissant donc de la maison de santé, est-ce qu'il y a en section de fonctionnement, est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions, adopté. Section d'investissement, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Et budget résidence senior, fonctionnement, non, pas de vote contre, pas d'abstention, c'est adopté. Et l'investissement, alors on va tous être pour, il y a un suréquilibre de plus de 160 000 euros, si tout se passe bien, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Voilà. On enchaîne avec l'équilibre du budget primitif 2023. Ce n'est pas le budget 2022. Ouais, il y a toujours, si on veut faire un concours, on trouvera toujours une erreur dans les documents. Donc l'équilibre global, vous le voyez, 9 190 000 euros et des poussières en dépenses et en recettes. Et bon, c'est une année particulière, 8 500 000 euros en investissement, en dépenses et en recettes. Mais
on va tout de suite calmer nos ardeurs, puisqu'il y a 4 417 000 euros d'une opération particulière liée à l'intégration dans le patrimoine communal de l'Arche Bernadette, qui donne lieu donc à une opération en dépenses et en recettes du même montant. Donc on est plutôt, effectivement, autour de 4 millions d'euros d'investissement nouveau ou incluant le remboursement du capital de dette pour 621 000 euros. Voilà, vous avez donc cette liste qui apparaît, qui est clairement affichée ici. Je ne vais pas reprendre les éléments saillants puisqu'ils vont être redétaillés ensuite donc dans chacune des diapositives. Ce que je pourrais simplement dire, c'est que effectivement, les charges à caractère général en dépenses de fonctionnement prennent une ampleur inédite, puisque nous avions pu enregistrer environ 2 millions d'euros à ce titre-là en début de mandat, et qu'avec la crise énergétique, l'inflation qui d'ailleurs nous impacte aussi sur la restauration scolaire, par exemple, hein, où on prend entre 15 et 20 000 euros de dépenses supplémentaires, pour les transports des enfants sur les différentes activités liées aux écoles, et notamment pour aller à la cantine Elsa Triolet pour les enfants de l'école Bouxière, eh bien là, on a une annonce également de 6% de frais supplémentaires. Donc, vous accumulez aussi à tout ça les carburants, tous les frais que nous devons faire pour acheter nos matières et fournitures, avec une inflation qui est de l'ordre de 10%, eh bien, effectivement, in fine, on se retrouve avec des charges à caractère général qui augmentent significativement. Nous avons pu limiter un peu la casse, si je puis dire. C'est que nous remettons d'équerre également, maintenant que nous avons quasiment changé l'encadrement de l'administration de fond en comble, en passant par les soutes et tout ce que vous voulez, hein, et il y a globalement une meilleure gestion annuelle de nos frais. Je prends un exemple. En 2022, on a payé, par exemple, 15 mois de chauffage, puisque en fin d'année 2021, on n'avait pas payé les factures en temps et en heure. On n'avait pas constaté, par exemple, de charges à décaisser dans le cadre donc du respect de l'annualité budgétaire. Et donc, on a payé 15 mois de factures de gaz, ce qui fait que la douloureuse est très douloureuse, mais relativement limitée. Mais néanmoins, l'augmentation reste extrêmement sensible. Les charges de personnel, nous allons avoir aussi l'opportunité d'avoir une augmentation assez limitée, alors qu'il faut prévoir, dans le cadre de choses que nous ne décidons pas, nous ici, des augmentations sans doute de points d'indice, des augmentations relatives aux frais liés aux retraites, que sais-je encore. Mais nous avons quand même une relative stabilité, une augmentation limitée des charges de personnel, notamment par des remplacements qui coûtent un peu moins cher sur un certain nombre de personnels, notamment. On y reviendra notamment dans le cadre du compte administratif. Ça devrait nous permettre de tenir, mais là aussi, hein, on ne prévoit pas de dépenses pour recruter de nouveaux agents. On se contente de remplacer les départs en retraite après un examen attentif des redéploiements possibles de missions. Mais je ne serai pas celui qui vous proposerait de désosser l'administration municipale, puisque là où vous enlevez des agents, vous enlevez du service, partant du principe que nos agents sont affairés à des tâches importantes que nous avons examinées pour chacune d'entre elles, et il n'y a pas de planqué hein, dans cette maison. Il faut parfois redéployer, mais nous ne pouvons pas assécher notre masse salariale. Ça ne serait pas un choix judicieux, un peu trop facile sans doute. Voilà. Sur le reste, je ne fais pas de remarques particulières, puisqu'il n'y a pas de changement très important. Je pense qu'il y a, sur les grandes masses, il me semble essentiel d'insister sur ce qui est probant. Je vais vous parler bien sûr en recettes de fonctionnement des impôts et taxes, puisque globalement l'augmentation de taxes foncières, vous voyez qu'on ne va pas aller faire les poches des habitants et des contribuables fonciers, puisque l'augmentation de taxes foncières, selon un calcul que nous avons pu faire, va accroître la recette d'environ 200 000 euros. On part de 5,5 millions pour passer à 5,7 millions, hein, donc la pression fiscale sur la commune ne va pas exploser, hein. Loin de là, hein.
Loin de là. Donc, après, ça reste une décision douloureuse, pénible, on s'en serait franchement bien passé, mais vous voyez qu'il faut tenir les équilibres, et nous en avions parlé lors du débat des orientations budgétaires, bien entendu. Bon, voilà. Les dotations et participations de l'État, plus ou moins stables, et sur l'investissement, je crois qu'il n'est pas très intéressant de s'y pencher ici, il est mieux de les appréhender projet par projet, tels qu'ils vont être ensuite présentés par chacun. Des adjoints au maire. Les grandes tendances, j'en ai déjà un peu parlé, bien entendu. C'est important de dire que les dépenses réelles de fonctionnement, effectivement, augmentent de 5% encore par rapport à 2022, ce qui reste quand même, quand vous avez 127% d'augmentation de l'électricité, plutôt maîtrisé. Plutôt maîtrisé. Voilà. Bon, on peut continuer. Je propose d'aller très vite. Ce sera plus intéressant d'aller dans chacune des thématiques. La vue globale sur le budget 2023, quand vous enlevez les opérations d'ordre, notre budget réel, il est de 11 947 000 euros, avec donc ces camemberts qui présentent globalement, par thématique, la répartition et bien sûr une grande partie des sommes allouées à ce qu'on appelle l'administration générale. Mais nous y reviendrons. Voilà, j'ai été suffisamment long à ce stade. Je propose désormais donc que chacun, à moins que vous ayez des questions sur le cadre général, je vous proposerai donc qu'on passe avec Thierry Bisson pour la délégation Enfance Jeunesse. Merci, Monsieur le Maire. Chers collègues, je vous présente donc le budget Enfance Jeunesse d'un montant de 1 327 914 en fonctionnement, 1 712 914 en investissement. Donc sur le fonctionnement. 327 000. Ah, moi j'ai pas. J'ai pas le même. Alors, d'accord. Très bien. C'est pas grave. Sur le fonctionnement, il s'agit en fait bon, de la subvention Uxal qui est de 160 000 euros. Qui comprend, comme on l'a indiqué dans la convention pluriannuelle d'objectifs, une partie de fonctionnement à 65 000 euros fixes, un soutien à l'animateur jeunesse pour 6 000 euros, un soutien encouragement sur les effectifs des ALSH, c'est les centres aérés, hein, les ALSH, et les mercredis, l'accueil ado, le classe, qui est l'aide à contrat local d'accompagnement à la scolarité pour 53 500. Différents projets en fonction des demandes, une petite réserve de 20 000 euros, 20 500, et une petite compensation par rapport à ce qu'était la subvention avant, qui était de 15 000 euros. Sans compter la reprise des différents contrats qu'on reprend sur le centre, c'est-à-dire les fluides et les assurances et les contrats copieurs pour un montant de 25 000 euros. Ça comprend également la restauration scolaire et le périsco. La restauration scolaire, c'est 200 000 euros. Pour le moment, on n'augmente pas le ticket de cantine, mais on augmente le nombre d'élèves avec des pics à 330 repas par jour. L'amélioration, le changement de prestataire de repas, l'amélioration qu'on a fait récemment sur les goûters, la cantine à 1 euro, on fait que la modification du règlement de cantine aussi fait que on est passé. Graduellement de 250 à maintenant plus de 330 repas en pic par jour. Sur ces parties fonctionnement, il y a également tous les crédits scolaires pour les écoles, différentes subventions d'équipement, d'achat de matériel, les sorties. Donc les sorties, on les a enlevées de ce budget crédit scolaire. Ils sont à part. On va présenter un nouveau budget aux directrices. Enfin, ce n'est pas un nouveau budget, c'est la même somme. C'est juste pour stimuler un peu les classes vertes et les sorties. Il n'y a pas de changement sur le montant. Et ensuite, le parc enchanté, mené en collaboration avec la commission animation culture, pour un montant de 30 000. Le par contre, je l'ai vu. La remise, alors tout ce qui est remise de calculatrice, valorisation des diplômés, l'école des champions, c'est pour un montant de 9 500 euros. C'est à peu près tout sur le fonctionnement.
Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Oui, des actions nouvelles sur la sensibilisation au harcèlement. Vous rappelez, sur 2022, on avait essayé une formule en conférence qui n'a pas eu le succès escompté. Là, on passe directement à des interventions sur le périsco, c'est-à-dire tous les animateurs du périscolaire sont sensibilisés à la détection sur les harcèlements, et des interventions directement auprès des élèves en moyenne section et en CE2. On met ça à l'essai cette année, on va voir ce que cela donne. Le prix du goûter, vous avez pu voir, on avait fait un petit point presse à Girmont, on passe d'un goûter à 80 centimes à 87 centimes, passage au bio, l'augmentation devrait être couverte par une subvention sur le programme c'est quoi, Agrimaire, France Agrimaire, exactement, merci. À peu près tout ce que je peux vous dire en fonctionnement. Non, on a aussi, auparavant, dans les crédits scolaires, il y avait également une partie informatique pour les écoles, de 10 000 euros à peu près, qu'on a ressorti, puisque suite à la grande opération de numérisation, dont le 24 mars, on fait un petit point presse là-dessus pour présenter tout ce qui était installé dans les écoles. Pourquoi on l'a ressorti? Pour pouvoir avoir la main et une harmonisation du matériel. C'est-à-dire qu'avant, on laissait les directrices gérer, ce qui donnait une disparité dans le matériel et peut-être quelques soucis de compatibilité. Donc la municipalité reprend la main sur ce matériel via un prestataire et évidemment, on y couple aussi de la maintenance pour que le matériel soit toujours en état. Il y a aussi, pour la partie fonctionnement, j'en ai terminé. Partie investissement, nous avons des travaux aux salles rue du marché pour 25 000 euros. Il s'agit de maintenir une activité minimum pour qu'on soit dans les clous là-dessus. Et 10 000 euros au Centre Europe en entretien, en réparation courante. L'école maternelle de Bouxières, on a 130 000 euros sur un montant de 400 000 pour le moment. Donc là, ce sont juste les études. Et la numérisation des écoles, on retrouve ces 10 000 euros que je vous ai retrouvés tout à l'heure. Et le PEDT, le projet éducatif de territoire, sur 10 000 euros, là, il s'agit de continuer à investir. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, dans les écoles à Girmont, on a changé du mobilier pour les moins de 6 ans, ils sont à hauteur de table normale, ce qui leur permet d'être avec les grands, mais surtout à notre personnel de ne plus être plié en deux et de meilleure ergonomie dans le travail. Et puis, en investissement, la grosse partie qui va passer sur l'école élémentaire de Bouxières sera de 200 000 euros en études. J'en ai terminé. Si vous avez des questions. Merci Thierry. Ouais, on peut dire qu'on a essuyé quelques déconvenues sur le marché lié à la réfection de l'école élémentaire de Bouxières, puisque l'ouverture finalement donc des lots, il y en a eu plusieurs lots infructueux, et donc on est condamné à reléguer en septembre, si tout va bien, le démarrage des travaux. Donc on espère pouvoir les concrétiser néanmoins maintenant au cours de cette année, de la prochaine année scolaire. Donc il y a aussi ces impondérables et ces difficultés de gestion qui sont tout à fait désagréables. Voilà, et puis tu as bien fait de le signaler, l'école élémentaire de Bouxières, ça sera le plus gros, sans doute le plus gros projet du mandat en investissement, même si on a sélectionné les architectes, 5 architectes, qui sont en compétition dans une sorte de deuxième tour, et donc on aura bientôt les propositions des différents cabinets de maîtrise d'œuvre. Voilà, je propose qu'on continue, non ? C'est des questions à ce stade, n'hésitez pas, c'est mieux d'en discuter maintenant, le sujet est chaud ? Non ? Très bien, je propose de continuer avec le sport, Aimeray. Monsieur le maire, mes chers collègues, donc présentation du BP 2023 relative à la partie sportive. J'aimerais quand même revenir sur ce avec quoi vous avez commencé, monsieur le maire, notamment vous avez abordé les subventions sportives. C'est important de le rappeler effectivement, puisqu'il y a une forme de responsabilité, de prise de responsabilité dans ce qu'on est en train de faire ce soir, et ce sur quoi on est amené à voter, puisque ce soir, à l'issue du BP, nous serons aussi amenés à émettre un avis, un vote, une délibération sur les subventions sportives qui seront donc allouées à partir de ce soir.
Il est important de rappeler que l'enveloppe ne bougera pas pour cette année. Dans d'autres communes ou dans d'autres départements où il y a une tendance vraiment à aller chercher des diminutions pour réaliser des économies de finances, de fonctionnement dans les collectivités par rapport au regard notamment du contexte inflationniste, du carburant, l'électricité, du gaz, tout ce que vous voulez. Et on a fait le choix de vous présenter ce soir un maintien de l'enveloppe allouée aux associations sportives. Donc le budget primitif 2023 de sport s'élève à hauteur de 356 900 euros. Je vérifie, les chiffres sont bons entre ce qui est, j'ai sous les yeux, entre ce qui est projeté. En fonctionnement, 286 300. En investissement, 70 600 euros. Donc le fonctionnement, le détail du fonctionnement, donc les subventions aux associations sportives, 172 200 euros avec une enveloppe aujourd'hui de 155 000 qui seront votées tout à l'heure, avec aussi une marge dans cette enveloppe-là. Ça ne veut pas dire qu'on a 172 000, qu'on va dépenser les 172 000, mais il y a aussi notamment aussi la subvention à l'EST Central, la subvention exceptionnelle aussi à la location du boulodrome couvert de l'association de pétanque, et il peut y avoir au cours de l'année des projets qui peuvent naître et qu'on pourrait être amené à subventionner ou à financer ou faire tout simplement des virements de crédit dans d'autres sections pour financer d'autres projets. Les Masters de pétanque, donc pour la troisième année consécutive, la ville de Thaon-les-Vosges va accueillir les Masters de pétanque le 12 et 13 juillet 2023. Donc c'était un show aussi qu'il fallait faire. On propose de poursuivre cette manifestation-là qui attire énormément de personnes, que ce soit au niveau départemental, régional, national, voire même international, puisqu'il y avait l'année dernière des Belges, des Allemands, on attire pas mal outre-Rhin. Donc c'est une manifestation qui s'élève en budget de fonctionnement à 94 100 euros, sans compter les recettes que nous allons générer pour essayer de tirer cette manifestation-là en dessous du seuil des 50 000 euros, par l'intermédiaire notamment des subventions des collectivités, des partenaires institutionnels comme la communauté d'agglomération d'Épinal qui nous appuie, le département, la région, mais aussi les partenaires privés que nous sommes allés solliciter depuis les deux dernières années pour essayer de ramener ce Masters 1 à niveau 1, à hauteur de 50 000, comme je vais vous le rappeler. Le financement des manifestations sportives, comme les étoiles sportives, donc qui auront lieu le 7 juillet 2023, pour souligner notamment l'engagement des associations, des athlètes, des bénévoles, au cours sur qui on peut compter tout au long de l'année pour réaliser et nous faire vivre des émotions. Je pense notamment, par exemple, vous avez pu le vivre dernièrement avec le foot, avec notamment le parcours en Coupe de France, le championnat de boxe de Grand Est et bien d'autres encore de disciplines, l'athlétisme encore dernièrement avec la ronde printanière et la ronde hivernale juste avant, les masters des entreprises, avec une volonté notamment avec la commission développement éco d'organiser le GIAT et la CAT, un challenge inter-entreprise. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, le ST Central organise le challenge intersection. Il y a une volonté aussi pour qu'il y ait une cohésion notamment des entreprises de faire cela en lien avec la ville. La fête du sport aussi que nous maintenons évidemment avec un budget plutôt resserré, avec une volonté de revenir à l'essentiel tout autour du stade Seyer, que nous continuerons de mettre en place. Le sport dans les quartiers, 2500 euros. Nous avions lancé l'année dernière donc trois manifestations à Thaon-les-Vosges, à Honcourt et à Girmont en partenariat avec le ST Central. Nous souhaitons pérenniser et poursuivre. La première année, ça a été assez compliqué. On veut vraiment attirer davantage de personnes notamment qui ne pratiquent pas forcément du sport, pour leur faire découvrir les disciplines que nous avons à Thaon. Thaon, ville active et sportive, qui compte plus de 2200 licenciés. Et poursuivre notamment les dispositifs bourse à la prime adhésion et la bourse à l'équipement que nous avons mis en place il y a maintenant quelques années. Concernant l'investissement, ça peut paraître grand, mais en termes de montant, ça fait tout de même 70 600 euros, notamment sur la participation aux travaux menés avec la CAE, parce que comme vous le savez, dès lors qu'il y a des travaux menés dans les équipements sportifs, notamment les stades, la commune doit financer à hauteur de 50%, c'est la convention qui a lieu entre la CAE et la ville, et en l'occurrence, ces travaux-là, en fait, c'est une refacturation de l'agglo, l'agglo a avancé, et nous, on rembourse les 50% qui restent. Nous avions fait l'arrosage, le drainage, l'éclairage, la piste d'athlée, le sang en hauteur, beaucoup de travaux qui ont été menés dans les stades. Et les tapis de gym pour la salle de musculation mis à disposition par la ville aux athlètes de la commune. Donc voilà, un budget à 356 900 euros. Je vous remercie. Merci Emmanuel, très précis. Il y a de gros investissements sans doute à venir. On les débat et on les discute avec la communauté d'agglomération d'Épinal. Il faut garder des équipements au niveau, c'est très important. Et je crois que ce n'est pas le moment de couper les dynamiques. Hein. On sait ce qu'on doit au tissu associatif, sportif notamment.
pas que sportif, mais notamment sportif, hein, faut pas se mentir, hein, c'est la particularité taonaise, hein, et donc il faut surveiller les évolutions comme le lait sur le feu et accompagner les dynamiques. Et on se rend compte là aujourd'hui, par exemple, que notamment du point de vue de l'OST central, hein, que le Covid étant maintenant bien derrière nous, les actions commencent à prendre leur volume, les initiatives, c'est vrai, dont commence à donner vraiment satisfaction et il faut marquer cette identité-là. C'est vraiment un marqueur pour nous et hors de question, effectivement, de sacrifier ces dynamiques essentielles. Hein. Donc, vous l'avez compris, je pense, maintenant, depuis longtemps. Quelles que soient, d'ailleurs, nos origines, hein, même si beaucoup ici sont très impliqués dans le milieu sportif. Voilà, est-ce que vous avez des remarques, des questions qu'elle aimerait ou moi-même pourrions répondre? Non, non. Eh bien, écoutez, continuons avec le budget de la sécurité et de la citoyenneté. Dominique. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, concernant le budget de la sécurité et de la citoyenneté, nous sommes sur un montant global de 355 677 euros, qui se répartissent en termes de fonctionnement pour 334 177 euros et 21 500 euros en investissement. Donc, sur la partie fonctionnement, outre donc l'aspect ressources humaines qui représente 282 427 euros, en termes de dépenses opérationnelles, nous avons donc 51 750 euros qui se répartissent donc pour les cérémonies patriotiques et le 14 juillet, alors la partie patriotique du 14 juillet, puisqu'il y a un ajout également sur la partie plus festive et loisirs. Donc, on est à 3 000 euros pour les cérémonies patriotiques et 2 000 euros pour le 14 juillet. En ce qui concerne l'équipement des agents de police municipale, donc un nouveau jury va être lancé sur le recrutement d'un cinquième agent. Aujourd'hui, il est très très difficile de pouvoir recruter. Nous avons eu 6 jurys sur les 2 dernières années qui se sont soldés que par l'embauche de 2 personnes qui correspondaient à un profil idéal. Donc pour les 5 agents, donc, nous avons un équipement en vêtements de travail de 5 500 euros, donc comprenant la dotation annuelle qui existe depuis nombre d'années, donc de 1 000 euros par agent, et un renouvellement qui intervient ponctuellement et régulièrement sur le renouvellement des blousons d'hiver, donc dans pour leur fonctionnement et leur travail en période hivernale et froide. En termes de fourniture, donc la police municipale donc étant armée, vous le savez, aujourd'hui nous avons 2 agents donc, qui ont suivi leur formation avec succès pour l'armement et qui donc ont besoin donc à la fois donc de munitions pour leurs séances de tir et de formation. Nous avons également donc pour le lacrymo une obligation aussi de fournir des sprays décontaminants. Nous avons un renouvellement donc des cartes de police municipale, des cartes officielles des agents suite au changement de commune et c'est pas gratuit malheureusement. Donc tout cela représente un montant de 2 000 euros. Ensuite, bon, des opérations d'étalonnage, notamment pour l'éthylotest, pour 250 euros. Et ensuite, donc, sur les différentes conventions, donc la convention de Fourrière, qui est établie donc, avec le garage à Rouet pour un coût de 1 500 euros. La convention donc, avec Rescapat, alors, pour compléter ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur le maire, effectivement, le fait d'avoir fait cette mise à disposition et d'avoir eu cette action de stérilisation et de récupération de chats a ouvert aussi les yeux à l'association 30 millions d'amis qui a considéré que cette opération menée sur la commune était respectable et très bien faite et nous accorde aujourd'hui une prise en charge à 50%, donc à hauteur de 4 500 euros, donc qui vient en déduction de ce que nous pouvons payer. Donc nous partageons aujourd'hui les frais de stérilisation d'identification des chats avec l'association 30 millions d'amis. Et c'est une bonne nouvelle pour notre commune par rapport à ce qui était engagé. Nous avons la convention également donc avec le vétérinaire local donc, à qui nous versons également donc, une somme qui est en avance des sommes des stérilisations et des identifications pardon, qui vont être faites. Sur un point important, sur la sécurisation de notre réseau de vidéoprotection. On a un réseau donc, qui date de 2008, qui était dans un état déplorable, avec un opérateur qui ne répondait plus du tout à ce que nous pouvions attendre. Nous sommes allés à une période jusqu'à plus de la moitié du parc qui était inopérant.
Donc, il était urgent d'agir. Localement, nous avons trouvé une entreprise qui a très rapidement fait un plan d'urgence donc pour remettre d'équerre tout le système, à la fois le serveur, mais aussi toutes les caméras, détecter toutes les pannes, reparamétrer l'ensemble du parc. Ça a été fait dans un temps record et je crois qu'on peut les remercier et les féliciter pour la qualité de leur travail. Et donc aujourd'hui, c'est cette société donc qui va continuer à assurer donc la maintenance de notre réseau. Avantage d'une entreprise locale, c'est qu'elle est là dans la demi-heure, alors qu'avant, il fallait déplacer et elle était là au bout de 2 heures et elle devait repartir 2 heures avant l'heure de fin de bureau pour être rentrée à temps à la maison. Donc là, on est vraiment sur du gagnant-gagnant. Et donc, ce plan de sécurisation nous a coûté donc pour la remise d'équerre 13 000 euros. Et ensuite, donc, on a une maintenance annuelle qui est fixée à 10 000 euros. Donc voilà pour cette partie donc, de fonctionnement. En termes d'investissement, donc, nous sommes sur une somme de 21 500 euros. Donc une cage de capture donc, pour le véhicule, puisque nous sommes amenés de plus en plus à avoir des chiens dits dangereux ou mordeurs, et on ne peut pas le mettre derrière la banquette arrière avec le risque qu'ils viennent sur le siège arrière, voire sur le siège avant. Donc le véhicule qui arrive en fin de contrat va être renouvelé, et dans ce véhicule sera installé une cage de capture pour 600 euros. Nous avons l'armement donc, du troisième policier municipal donc, pour une somme de 1 700 euros, donc, qui peut-être se fera cette année, mais ça va être peut-être un peu compliqué, on va voir. Ensuite, donc, concernant de nouveau la vidéosurveillance, donc, un parc qui date de 2008 a besoin d'être renouvelé, d'être modernisé. Donc on a une prévision d'investissement de 10 000 euros, ce qui peut correspondre à peu près à 5 caméras renouvelées tous les ans. Sur ce principe-là, et l'utilisation d'un nouveau logiciel. Alors là aussi, pour faire des économies sur nos produits et nos matériels, et après avoir consulté différentes polices municipales dans le département et ailleurs, on a trouvé donc un logiciel qui répond beaucoup plus à l'activité d'une police municipale de petite taille comme la nôtre, avec ce que l'on appelle un bureau de police dans la poche. C'est-à-dire que l'agent de police municipale n'a pas à revenir pour rédiger quelque chose, repartir en patrouille, etc. Il a tout sur lui et le contact est direct également avec lui. De plus, aujourd'hui, le système que nous avions jusqu'au 31 décembre était un système qui nous coûtait 3 522 euros par an. Là, on passe... 3 522 euros par an. Aujourd'hui, on passe sur un système à 1 174 euros annuels. Donc là aussi, très intéressant parce qu'on a une performance d'action et d'utilisation et un outil performant et déjà utilisé et très évolutif qui répond parfaitement à ce qu'attend la police municipale et les usagers. Voilà, monsieur le maire. Merci. Merci, Dominique. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions ? Non, je vais peut-être profiter, j'avais envisagé de le faire lors des affaires diverses, mais comme on est sur une thématique porteuse sur ce sujet, un mot sur les gens du voyage, les citoyens français itinérants, pardon. Il faut faire attention aux termes maintenant. Parce qu'il m'arrive d'être questionné par... Donc c'est important que les conseillers municipaux soient informés, et puis que les habitants, par l'intermédiaire de la diffusion directe, le soient. C'est que nous sommes vraiment démunis hein, vis-à-vis de la situation actuelle hein, liée au stationnement donc des gens du voyage à côté du gymnase de la Poste et à côté de l'école maternelle du centre, puisque malgré un certain nombre d'engagements de l'État, notamment attenant au fait que remettre un peu les choses en perspective devait attendre l'ouverture de l'aire d'accueil, la réfection de l'aire d'accueil, pour laquelle l'agglomération d'Épinal a quand même dépensé au bas mot 150 000 euros. Alors certes, avec une grosse subvention de l'État, hein, mais ça reste l'argent des Français. On a vraiment aujourd'hui, pas, on n'est pas suivi, quoi. Il faut le dire, et c'est une déception hein, que je partage avec les services de l'État. Donc on a produit un arrêté interdisant le stationnement dans les endroits où on a les stationnements sauvages aujourd'hui, parce que l'aire d'accueil est opérationnelle. On a établi des rapports liés aux nuisances provoquées auprès des riverains, provoquées auprès des basketteurs, provoquées auprès des usagers de la maison de retraite.
On nous a redemandé un nouveau rapport. La préfecture a demandé à la gendarmerie également, de procureur a demandé à ce qu'un autre rapport soit produit sur le terrain. Mais moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que mes usages sont croissants. On a maintenant les machines à laver au milieu sur l'enrobé, les carcasses d'animaux parfois pendues au-dessus des nacelles. Enfin, véritablement, veuillez me croire, il y a une prochaine réunion qui va avoir lieu donc à la préfecture pour tenter de résoudre le problème, après un nombre incalculable d'ailleurs de tentatives de conciliation qui ne riment à rien. Donc on finira par contacter la presse, puis je vous proposerai qu'on aille tous en maillot de bain le long de la véloroute, hein, puis dire que les élus locaux sont en maillot de bain pour traiter ce genre. Bon, même y aller à poil, hein, à vrai dire. Hein. Pour déterminer qu'on est quand même... on est dans des positions équilibrées, en plus, à Taon-les-Vosges, je veux dire. Hein, c'est pas comme si on était des fascistes qui faisions la chasse aux gens du voyage. On n'est pas du tout dans cette philosophie. Néanmoins, on est capable parfois d'accords et de se dire, bah oui, vous pouvez stationner ici ou là quelque temps, mais il s'avère que les accords ne sont jamais respectés et que je pense qu'il serait quand même judicieux que l'ordre public intervienne. C'est un vaste sujet, un vaste débat. Peut-être en parlerons-nous encore dans 50 ans. Mais je tenais quand même à vous informer de la situation. C'est-à-dire que n'allons pas penser que le maire va chercher ses émoluments toutes les semaines auprès de ces personnes pour qu'ils puissent rester sur place. Quoi. On est dans une démarche où on veut vraiment ne pas laisser ces usages continuer à se faire à ces endroits, parce qu'on est vraiment là dans des questions au-delà de l'ordre public, mais sanitaire. Hein. Sanitaire. On a une prolifération de rats maintenant qui est quand même inquiétante, et notamment vis-à-vis de ces populations, hein, vis-à-vis des gens qui sont sur place. Hein. Voilà, je crois qu'il est temps d'agir. Donc on recaptera cette partie de diffusion, puis on le verra, Madame la Préfète, pour, j'espère quand même, réussir enfin à se mobiliser sérieusement sur ce sujet, puisque ça devient, c'est vrai, relativement pénible puis disconvenant par rapport à la vue qu'on a envie d'avoir quand même aussi quand on arrive dans ces endroits-là. Après, il n'y a pas de nuisance particulière, il n'y a pas de méchanceté, les attitudes sont plutôt convenables, hein, des personnes qui y sont, mais on ne peut pas laisser non plus tout faire sans réagir, ça suffit. Quoi, voilà. Bon, j'espère que ça sera suivi des faits. On continue, Carole, avec le cadre de vie. Oui, merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Donc le budget primitif pour la délégation cadre de vie pour une somme totale de 801 379 euros qui se décompose en fonctionnement à hauteur de 656 379 euros et en investissement à hauteur de 145 000 euros. Concernant le fonctionnement, donc cela se découpe entre les ressources humaines pour un montant de 575 379 euros. Et en opérationnel, qui recouvre différents projets, à hauteur de 81 000 euros, dont je citerai notamment pour les actions le fleurissement tout d'abord de la commune, à hauteur de 35 000 euros, le concours des maisons fleuries et des potagers pour 4 500 euros, les campagnes de soins et ou d'abattage d'arbres pour 10 000 euros. Nous renouvelons le plan contre les chenilles processionnaires du chêne au cas où ces charmantes petites bêtes viendraient à se réactiver cette année à hauteur de 5 000 euros. Les journées de la forêt qui sont reconduites donc sur un week-end donc à hauteur de 4 000 euros. Nous incluons également la participation au diagnostic du schéma d'accueil en forêt à hauteur de 3 500 euros dont nous avons parlé précédemment au niveau de ce conseil municipal. Le développement du mini-golf, donc qui est un équipement attractif et apprécié, donc pour lequel nous avons budgété une somme de 4 500 euros à la fois pour l'optimisation du cheminement entre les différentes structures de jeu et si cela est possible de pouvoir aussi optimiser les surfaces de jeu pour permettre aux mini-golfeurs de pouvoir jouer de manière plus agréable sur les différentes structures puisque nous avons un 18 trous. Je noterai également donc l'implantation de ruches. Donc nous avons développé des enveloppes de bornage à hauteur de 10 000 euros, puisqu'effectivement, souvent, les parcelles communales sont insérées au milieu de parcelles privées, et donc de manière à ce que ça puisse se passer le mieux possible, il nous faut borner les parcelles.
On notera également un investissement, mais cette fois-ci en matériel, à hauteur de 4 000 euros pour un projet de pergola au niveau du cimetière, sachant que la réalisation se fera en régie par l'intermédiaire d'un personnel des services techniques. Pour ce qui est de l'investissement, donc une enveloppe de 82 000 euros pour les cimetières, donc avec notamment les réfections d'allées des cimetières à Girmont pour 50 000 euros, la réfection de la toiture du bâtiment d'accueil du cimetière de Taon pour 12 000 euros, histoire de mettre donc la bâtisse hors d'eau, et la poursuite de l'opération de relevage de tombes pour les concessions échues pour 20 000 euros. En ce qui concerne le mobilier urbain, donc une enveloppe de 30 000 euros pour poursuivre le renouvellement des mobiliers, que ce soit des poubelles ou des bancs, sachant que les matériels qui ont été achetés l'année dernière sont en cours d'installation, notamment des poubelles biflues et des bancs. Donc une aide dont le règlement sera en principe voté lors du prochain conseil municipal pour l'acquisition pour les particuliers de récupérateurs d'eau pluviale. Donc une enveloppe de 3 000 euros a été budgétée. Et enfin, une étude pour la chapelle de l'oratoire. Donc la chapelle de l'oratoire, comme certains le savent, en fait, a été désacralisée et n'est plus en usage. Le diocèse souhaite s'en séparer. La commune, dans un souci de préservation du patrimoine, souhaiterait s'en porter acquéreur et pouvoir porter quelques investissements dessus. Pour ce faire, il est nécessaire de pouvoir faire une étude sur la structure, justement afin de déterminer les travaux nécessaires à sa protection et à sa préservation. Voilà globalement pour le budget de la délégation cadre de vie. Merci. Merci Carole. Là encore, avez-vous des remarques, des questions? Non? Je vous propose que nous poursuivions avec Christine sur... Excusez-moi, j'ai pas dû lever le bras. Non. Aux itinérants, ne serait-il pas possible de mettre simplement un portail? Non, mais pas celui qui est là, le reculé, puisque là, il y a le petit bâtiment qui est pour les cheminées. Là. Enfin, c'est Godin, je ne sais plus qui est là. Juste le mettre en décalage, de façon à ce qu'ils puissent, eux, toujours rentrer dans leur bâtiment et que plus personne d'autre ne rentre, même nous, hein, on ira sur l'autre parking. En tout cas, ce n'est pas une solution à la main de la commune, puisqu'on est sur des parcelles qui, globalement, on est chez Vaugélis, hein, en bonne partie. Et après, on arrive sur le territoire du Chède. Le portail est le portail du Chède, hein, pas le cèdre bleu. Hein. L'immense difficulté avec ce portail, contrairement au portail qu'on a installé d'ailleurs au local Bernard Muller, au stand Bernard Muller, c'est que là-bas on sait que la destination vraiment finale c'est exclusivement les tireurs. Donc bon, bah, on sait que le flux c'est du flux de tireurs. Là, en revanche, le souci sur ce secteur-là, c'est que entre les usages de l'entreprise Godin, entre les usages du basket, entre les usages de la maintenance du centre hospitalier, enfin en tout cas de l'EHPAD, pardon, je crains vraiment que le portail, comme d'ailleurs c'est déjà le cas aujourd'hui, soit toujours ouvert. Donc, et plus encore, s'agissant de la place Jules Ferry, je sais qu'après il faut trouver d'autres solutions pour qu'on soit plus embêté à ces endroits-là, hein, mais... simplement faire respecter la loi, ce serait déjà bien. Mais j'aimerais vraiment, quand on va porter les études sur la requalification de la place Jules Ferry, qu'on arrive à plus fermer les espaces. Mais il faudra qu'on les laisse ouverts, mais de manière astucieuse, pour essayer d'éviter néanmoins, effectivement, l'incursion de caravanes, par exemple, pour que ces espaces, notamment s'ils sont plus beaux à l'avenir, soient pas, effectivement, gaspillés par de telles présences. Donc, je pense malheureusement que c'est comme le portail du Stade Seyer, quoi. Tout le monde dit qu'il le ferme et il est toujours ouvert. Parce que vous avez les gens de la gym, les gens du foot, les gens du tir à l'arc. C'est comme le travail d'équipe, c'est très bien, sauf qu'à chaque fois qu'il y a une erreur, c'est à cause de l'autre, quoi. Donc j'ai vraiment crainte que malheureusement, à cause des usages, on ne soit pas très efficace avec un portail à cet endroit-là, quoi. Même si, merci pour les propositions d'action. Ça a marché à Chavelot, enfin ça semble marcher à Chavelot par exemple, et c'est effectivement où là vous avez juste une voiture qui peut se déplacer, mais j'ajoute aussi les frais que ça représente, colossaux finalement, pour
rendre les espaces publics plutôt moches et pas forcément résolvant tous les problèmes. Donc, j'espère qu'on y arrivera par la voie classique et que personne ne reviendra pas à cet endroit-là non plus plus tard. Ouais. Sur la délégation de Carole, les actions présentées, est-ce qu'il y avait des questions également ? Ou sur les citoyens français itinérants ? Je vais réussir à le dire. Non ? Moi, je propose que Christine poursuive sur l'animation et la culture. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Alors, le budget de l'animation et culture s'élève pour un total de 319 823 euros, répartis en fonctionnement à 299 823. Ce fonctionnement est constitué de 155 623 euros de ressources humaines, 114 200 euros pour les manifestations et 30 000 euros de subventions aux associations. En ce qui concerne les manifestations, les principales actions, je vais vous parler, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a beaucoup d'événements tout au long de l'année. Il y a les festivités forcément de fin d'année avec le défilé de notre Saint-Patron, Saint-Nicolas, et les différentes tournées qui y sont associées, la tournée à domicile où on fait plaisir quand même, Saint-Nicolas fait plaisir, rend visite à 400 gamins à peu près, plus les tournées dans les écoles, les maisons de retraite, parce que les papiers mamies aussi aiment bien recevoir la visite de Saint-Nicolas, la crèche, voilà. Les grosses manifestations qui attirent énormément de nos concitoyens en ville sont bien sûr le carnaval, la fête des parcs, la fête de la musique associée avec Jérôme et la CAT pour les commerçants avec une nocturne commerciale. Et puis, il y a eu l'année dernière une innovation, c'était le Karaoke Life qui a très très bien marché, qui a fait un tabac et qui est renouvelé cette année le 1er juillet. Et puis nous avons eu le bonheur l'année dernière de toute l'équipe de remettre en place notre jumelage avec Calzeno, de le faire à nouveau redémarrer. Donc cette année, le 10 et 11 juin, il est prévu un week-end Alzeno qui sera une année sur deux Alzeno, une année à temps, avec une sorte de week-end culturel et sportif. Donc les associations y sont associées, certaines viennent et puis forcément les membres du conseil municipal. Voilà. Et puis il y a aussi des fois des manifestations plus modestes, comme celle qu'on a fait la semaine dernière dans le cadre des journées, de la Journée internationale des droits de la femme, où on a fait une très belle soirée. Et puis je voudrais en profiter, monsieur le maire, pour remercier publiquement aussi les commerçants avec qui on s'associe, qui ont accepté pendant une semaine d'afficher dans leur commerce toutes les lois qui ont pu exister depuis plusieurs siècles, toutes les lois qui existent pour les femmes dans tous les milieux, enseignement, politique, professionnel, violence, famille, et ils sont partis très heureux dans cette participation. Donc merci à eux. Et puis en investissement, on a 20 000 euros d'investissement pour la poursuite de ce qu'on avait déjà entamé cette année, le renouvellement des illuminations, et poursuivre aussi notre beau sentier des Lumières, puisqu'on essaye de l'améliorer tous les ans. Et il fait apparemment venir beaucoup de gens aussi de l'extérieur. Donc on va renouveler tous les ans, de compléter tous les ans de façon à ce qu'il soit un peu plus épais encore et plus festif. Voilà, monsieur le maire. Merci. Très bien. Avez-vous des questions ? Non. Très bien. En l'absence de Jérôme Valcézia, je vous présenterai rapidement le développement économique. Donc il s'agit d'un budget de 157 900 euros. Avec 71 400 euros donc, d'investissement qui se répartissent donc, avec deux postes principaux. Hein, l'achat de matériel de manifestation donc, avec 11 400 euros donc, prévus pour notamment de nouveaux barnums floqués à ville de Thaon-les-Vosges. On a un besoin sans doute de mieux se mettre en valeur lors des événements portés par la commune. Et puis une provision, mais nous ne savons pas exactement si elle sera effectivement dépensée, puisqu'on a les achats de locaux vacants potentiellement à donc 60 000, mais ça peut être une autre somme. Il y aura peut-être des opportunités à saisir d'ailleurs cette année. J'ai également pris contact de l'établissement public foncier Grand Est, qui pourrait nous aider aussi sur un certain nombre d'opérations. Avant de se livrer bêtement aux propriétaires, il y a des opérations de portage par le PFGE qui pourraient nous permettre de faire environ 80% d'économies sur les opérations. Il faut parfois faire preuve de méthode. Et s'agissant donc du fonctionnement, il est proposé de reconduire globalement les actions traditionnelles avec le soutien aux manifestations commerciales, comme nous le faisons depuis le début du mandat,
qui passe en général par une subvention à l'endroit de l'Association des commerçants et artisans de Thaon et des environs, le soutien aux créations de commerce que nous pouvons faire avec là aussi une commission qui se réunit Mélanville et Association de commerçants pour déterminer le montant, le volume de l'aide que nous apportons. Et plus l'activité nous intéresse, moins elle existe, plus l'aide est importante. Elle peut monter jusqu'à 3 000 euros. Et puis l'activité de recherche de commerce qui consiste notamment à recourir à une société qui, globalement, que nous avons diligenté et qui nous amène un certain nombre de prospects que nous rencontrons très régulièrement avec le manager de centre-ville et avec Jérôme Valcesia pour globalement se donner des chances supplémentaires par rapport à notre réseau existant pour attirer de nouveaux professionnels et de nouveaux initiateurs de projets. Voilà, on pourrait rajouter à cela donc, le volume de ressources humaines donc, lié à la rémunération donc, du manager de centre-ville avec les charges qui vont avec. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques, des suggestions supplémentaires sur cette action développement ? Oui, Sandrine. Donc, Jérôme souhaitait remercier, enfin surtout féliciter le travail de Cédric Bernardin, hein, qui fait un excellent travail. Et au niveau de la société Encoris, on devrait avoir de bonnes nouvelles d'ici la fin 2023. Nous l'espérons. Collectivement. Voilà, est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ces présentations ? Non ? Dominique, insertion et handicap ? Merci Monsieur le Maire, chers collègues. Donc on va faire le point sur le budget primitif 2023 sur les délégations insertion et handicap. Je vous propose de commencer par la délégation insertion, donc plusieurs actions fléchées. Donc une poursuite de mise en place de la formation jeune BNSSA. Alors je dis jeune, mais c'est aussi public demandeur d'emploi. Donc nous avions mis en place une session l'année dernière avec l'association Sauvetage Natation Secourisme de Saint-Dié et en partenariat également avec l'EST Natation, que je tiens à remercier puisqu'ils interviennent à titre gracieux pour faire les cours de pratique en piscine. Donc on a une session en cours et on mettra en place une nouvelle session au cours de l'automne. Donc nous avons aussi programmé des CV vidéo avec Face Vosges qui peuvent donner l'opportunité à des personnes en recherche d'emploi de se présenter autrement que via un CV classique papier. Dans les gros projets également, enfin c'est un projet qui nous tient, je pense, à cœur à tous. Donc on a l'adhésion pour l'association Territoire Zéro Chômeur Longue Durée 88 en tant que personne morale contributrice au même titre que les communes de Porcieux pardon, et de Vincey. C'est mieux comme ça. Et puis nous avons... voilà, j'apporte un peu de... Et puis nous avons fléché... Comment ? D'humour, voilà. Lapsus, je ne sais pas. Et puis donc nous avons décidé de flécher cette année une subvention de 7500 euros pour le financement de l'équipe projet. Donc aujourd'hui, trois personnes interviennent dans cette équipe projet. Équipe projet qui vise à accompagner les personnes privées durablement d'emploi qui ont pour l'objectif de rentrer dans l'entreprise à but d'emploi et qui œuvrent aussi au quotidien pour la recherche de financement, pour la recherche de nouvelles activités. J'en profite pour rappeler notamment par rapport à ce projet-là que Monsieur le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion a décidé donc d'habiliter le 24 janvier notre territoire et ainsi nous permettre d'intégrer l'expérimentation nationale « Territoire zéro chômeur longue durée ». Donc nous sommes le premier territoire des Vosges à être habilité. Et le jeudi 30 mars, donc les conventions vont pouvoir être signées, conventions qui vont permettre à l'entreprise à but d'emploi d'ouvrir donc en date du 1er avril. Et 30 personnes vont pouvoir signer un contrat CDI aussi ce même jour, voilà, pour un démarrage au 30 avril. Donc c'est une très belle expérimentation, une très belle fierté pour le territoire. Concernant toujours la délégation insertion, donc nous avons aussi donc 47 000 euros fléchés pour les jobs d'été. Donc depuis 2020, nous proposons des jobs d'été aux jeunes et publics demandeurs d'emploi. Donc 47 000 euros donc fléchés pour des postes d'agents polyvalents, d'agents d'espace vert, d'agents administratifs.
d'agents d'accueil aussi et d'encaissement pour le mini-golf. Et on a aussi des postes en lien avec le domaine des lacs. Donc un peu plus de 25 postes seront proposés à nouveau cette année. Donc la diffusion des offres se fera là dans les jours à venir. On est en train de peaufiner donc les offres d'emploi. Je crois avoir tout dit sur la délégation insertion, sauf erreur de ma part. Sur la délégation handicap, alors sur vos documents, il est encore noté, je pense, la nuit du handicap. Voilà, une contrainte d'agenda ne nous permettra pas cette année d'organiser en tant que telle la nuit du handicap, mais nous avons décidé de poursuivre quand même la dynamique enclenchée l'année dernière avec cette manifestation-là et de poursuivre et d'organiser notre propre manifestation qui aura lieu le samedi 3 juin. Donc vous pouvez déjà noter dans vos agendas et donc cette manifestation s'appellera Handicap en fait. Donc même principe que l'année dernière, hein, permettre un moment festif de partage entre des personnes en situation de handicap et le public accueilli ce jour-là autour d'ateliers et d'animations proposées par diverses associations et structures en lien avec le domaine du handicap. Concernant donc le handicap, alors cela ne dépend pas de notre délégation en tant que telle, mais en transversalité avec la délégation de mon collègue Yannick Payot, délégation Habitat et Mobilité, donc il est également prévu des dépenses d'investissement dans d'autres actions, comme le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, et aussi dans le cadre de l'agenda d'accessibilité programmé, qui vise à poursuivre ou réaliser l'accessibilité des établissements recevant du public après le 1er janvier 2015. Voilà, et puis dernière petite information, donc à noter aussi que sur les deux délégations, nous avons le soutien et l'appui de Sandrine Roturier, l'assistante de la délégation, qui aujourd'hui dépend du CCAS, voilà, c'est un soutien important pour nous. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Merci. Bon, pour vous faire quand même part parfois de certains états d'âme, parce que franchement, sur la convention, on peut s'en réjouir, hein, et on a mis toutes nos forces dans la bataille, mais sur le conventionnement pour territoire zéro chômeur de longue durée, je tiens quand même à partager, moi, les nuits blanches et les suées des dernières semaines, hein. Où globalement on a été pris entre le marteau et l'enclume, le marteau étant le fonds d'expérimentation nationale et l'enclume le département des Vosges, où franchement, on nous a habilité vraiment en disant que notre dossier était sans doute un des meilleurs de France, ce que je persiste à penser, ce qui d'ailleurs nous a permis de lever toutes les réserves définitives hier lors d'une dernière visio, donc les problèmes vécus entre-temps sont maintenant... tomber, mais vous dire quand même la particulière difficulté de ce dossier, où globalement on nous a levé de nouvelles réserves au fur et à mesure, où le département a imposé un certain nombre de conditions, et on peut l'entendre, hein, au fur et à mesure, ce qui fait qu'il y a une forme de jeu de ping-pong entre, et nous étions au milieu, qui a vraiment rendu la partie difficile, et c'est vraiment par une opiniâtreté de tous les instants que nous avons réussi, notamment avec les équipes et de la Belle Initiative et de Territoire Zéro Chômeur, à tenir la date du 1er avril pour les contrats. Il était inenvisageable de perdre davantage de temps et que ces gens perdent foi en notre parole à cause de vicissitudes administratives d'un autre âge. Enfin, voilà, quand même un petit... quand même en feedback, parce qu'à un moment donné, il faut aussi que tout le monde se rende compte qu'on parle d'hommes et de femmes et dont l'engagement est quand même incontestable depuis plusieurs mois, voire plusieurs années dans le projet. Voilà. Je sais pas, si vous avez d'autres remarques ou questions, il est toujours temps de le faire. Sinon, je vous propose de passer avec Françoise donc au budget de la solidarité et de la santé. Merci, Monsieur le Maire, chers collègues. Concernant la délégation solidarité santé, le budget total est de 302 820 euros, répartis sur la partie investissement 100 000 euros en dépenses d'investissement. C'est le début de restructuration des locaux du CCAS, dont le montant total des travaux peut être estimé à 340 000 euros. Sur la partie fonctionnement, 202 820 euros en dépenses, qui correspond aux actions menées par le CCAS ainsi que le salaire vis-à-vis. Les actions spécifiques du CCAS se décomposent en divers domaines. Autonomie, service portage à domicile, aide à la téléalarme, festivités pour les aînés. Je peux préciser que c'est un beau succès.
En 2022, on a totalisé 670 personnes sur 3 événements. Les ateliers prévention, gratuits pour ne parler de CCAS, mais mis à disposition d'une salle. Différents partenaires, AZEP Lorraine, Ciel Bleu, Mutualité Française Grand Est et Adavi. En totalité, on totalise 70 personnes sur l'ensemble des ateliers de prévention. Il y a la bourse Défi Senior pour la pratique d'une activité culturelle et sportive. En 2022, on a eu 83 bénéficiaires. Les bons de Noël pour les aînés de 80 ans et plus. Il y a 476 personnes. On a eu des centenaires qui ont été honorés, donc 3 en 2022. Concernant l'enfance-famille, il y a eu bourse permis 2022. Il y a 12 dossiers qui ont été examinés, mais ça repart de nouveau au 16 mars. Nous avons 7 dossiers. Cérémonie médaille de l'enfance et de la famille. 4 mamans ont été honorées. Aucun dossier n'a été présenté cette année. La participation financière du CCAS aux colonies de vacances, un seul dossier a été déposé. Et aux colonies apprenantes, 36 personnes bénéficiaires en fonction du nombre de places attribuées à la commune par l'État. Donc, les opérations qui vont se produire, c'est le renouvellement des journées de prévention visuelle. 4 sont programmées au mois d'avril, qui représentent 88 personnes qui seront inscrites. Le panier est complet. Et le Forum des aidants, le 25 mai 2023, à la Rotonde, une action départementale avec l'appui de la ville et du CCAS. Je vous remercie. Merci Françoise pour la précision et la concision. S'agissant donc de cette thématique, est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Non? Allez, Yannick Payot, pour l'habitat et les mobilités. Merci Monsieur le Maire, chers collègues. Donc sur la thématique habitat et mobilité, donc un budget global de 1 507 226 euros, réparti sur la partie fonctionnement à hauteur de 153 500. Donc on envisage de reconduire deux opérations qu'on avait menées en 2022. Donc l'opération Bimbi Bounty qui, je rappelle, donc consiste à mettre à disposition des architectes pour qu'ils puissent proposer leur aide technique et administrative sur des projets d'amélioration de l'habitat de particuliers, mais également d'une aide à la décision dans le cadre d'une acquisition potentielle d'un bien. Donc le montant envisagé est de 2500 euros. Une autre manifestation qu'on avait menée en 2022, donc dans le cadre de la semaine de la mobilité, donc faire le village de la mobilité, avec un certain nombre de partenaires, en lien bien sûr avec les mobilités douces. Donc on travaillera en commission pour identifier le lieu de ce village avec les aménagements qu'on envisage de faire sur les rues dans le cadre du plan de mobilité. Donc on reconduira cette opération et le budget prévisionnel est de 1000 euros. Toujours en fonctionnement, l'entretien courant des routes. Donc suite à un diagnostic de chaussée qui a été réalisé il y a maintenant trois ans, donc on a prévu un programme pluriannuel de travaux d'entretien de voirie, donc par de l'enrobé, du gravillonnage, mais également du pata, même si on s'est rendu compte que ce n'était pas la meilleure solution pour entretenir nos voiries. Et donc sur 2023, le programme envisagé est à hauteur de 150 000 euros. Sur la partie investissement, donc hors gros programme de voirie, donc le montant est de 389 000 euros, donc qui se répartit sur des opérations. Des études plutôt sur la place Jules Ferry à hauteur de 10 000 euros et sur la rue de Lorraine à hauteur de 30 000 euros. Donc sur la rue de Lorraine, c'est la partie Charleston Super U, hein, c'est pas la totalité de la rue de Lorraine. Également prévu des travaux sur l'éclairage public. On reconduit l'aide au logement vacant.
puisque dans le cadre du PLH de la communauté d'agglomération d'Épinal, un certain nombre d'aides sont mises à disposition des propriétaires de logements. Et pour pouvoir bénéficier de ces aides avec celles de l'ANA, il faut que les communes puissent également participer financièrement à ces projets à hauteur de 2 000 euros. Donc là, on envisage deux projets pour l'année 2023, d'où le montant prévisionnel de 4 000 euros. Concernant les stations Villevolt, donc c'est des vélos électriques donc, qui sont implantés par la communauté d'agglomération d'Épinal, mais pour que ces stations puissent être opérationnelles, il faut un certain nombre de travaux de raccordement, notamment électriques, sur ces stations. Donc deux stations sont envisagées sur les communes de Giron et de Honcourt. Ensuite, comme l'a rappelé Dominique Marquer, donc, suite au PAV, donc 50 000 euros sont budgétisés pour remettre aux normes un certain nombre d'installations. Donc ça peut aller des passages pour piétons, des bordures qui sont trop hautes, des largeurs de trottoirs, les poubelles qui sont à des endroits qui ne permettent pas aux personnes à mobilité réduite de passer. Donc voilà, les services sont en train de caler le programme pour 2023 et on devrait arriver aux alentours de 50 000 euros. Ensuite, on reconduit les subventions pour les ravalements de façades, donc cette année à hauteur de 20 000 euros. Sur l'année 2022, donc 8 dossiers ont été déposés, ce qui correspond à peu près à des aides aux alentours de 10 000 euros. Et sur les 3 premiers mois de l'année 2023, on a déjà 5 dossiers déposés, pour un montant quasiment équivalent, donc 9 000 euros déjà de subventions préfléchées. Donc voilà, on verra en cours d'année si le besoin s'en fait sentir, si les 20 000 euros sont suffisants ou pas. Sachant que pour 2023, on va également travailler en commission pour essayer d'étoffer un petit peu ce règlement de rénovation de façade. L'idée, c'est de pouvoir être peut-être un peu plus incitatif, ou en tout cas inciter les différents propriétaires à rénover leur façade, en essayant d'amener un petit peu plus de gaieté dans le cœur de ville, avec pourquoi pas des fresques. Donc on va retravailler sur ce règlement de façade pour le rendre opérationnel, soit en cours d'année ou en tout cas en 2024. Voilà. Ensuite, dans le cadre du plan de déplacement donc, qui a été adopté l'année dernière, on va commencer à mettre en place un certain nombre d'aménagements liés aux mobilités douces, donc, que ce soit des bandes cyclables, des pistes cyclables ou des chevrons sur un certain nombre de voiries. Montant prévisionnel de 100 000 euros, avec comme objectif donc de prioriser un certain nombre de rues qui ne feront pas l'objet bien sûr de travaux à court terme, mais de garder une certaine cohérence du cheminement vers le centre-ville, vers le canal, pour essayer d'amener le maximum de personnes avec des piétons, des vélos dans le centre-ville. Donc toujours sur la partie investissement, bien sûr, des travaux de voirie dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement. Ensuite, sur les gros travaux de voirie, donc pour un montant de 964 726 euros, donc des travaux qui ont été identifiés donc sur la rue de la Moxate à Giron, donc c'est une rue qui est encore non enrobée, donc 120 000 euros de prévu. La rue des Pinsons à hauteur de 256 000 euros, que je retrouve, oui, 256 000 euros, donc avec la mise en place d'un sens unique et des zones d'infiltration à la parcelle. Ensuite, le chemin de l'écluse, si j'ose dire enfin, la mise en état du chemin de l'écluse 21, donc après l'acquisition
bande de terrain nécessaire à la mise en place de la nouvelle voirie. Donc le projet sera prévu cette année pour un montant de 300 000 euros. Ensuite, rue du Tac et rue des Aulnes, les travaux vont démarrer cette année. Une réunion publique a eu lieu le 21 février. Les travaux d'aménagement proprement dit se feront plutôt en fin d'année, mais comme le projet prévoit la remise à niveau des réseaux humides, donc eau potable plus assainissement, mais également l'enfouissement de tous les réseaux secs. Donc c'est ces premiers travaux qui vont commencer à partir de septembre, et les travaux d'aménagement se seront plus sur la fin d'année, d'où les 130 000 euros prévus sur le budget 2023, et le reste sera budgétisé sur 2024. Donc de la même façon, sur la voie d'Ilée, rue de la Cour et rue de la Charité, donc des travaux également qui sont prévus. Et sur Girmont, donc 126 000 euros 100 sur la rue des Fleurs. Donc là également, la réunion publique a eu lieu au mois de février, le 8 plus précisément, avec également une mise en place de zones d'infiltration pour faciliter les eaux pluviales et limiter ces eaux dans les réseaux d'évacuation. Voilà, si vous avez des questions, je vous remercie. Merci Yannick. Je peux juste préciser sur l'habitat, la procédure d'état d'abandon manifeste qu'on va lancer cette année, parce qu'on veut véritablement envoyer un signal aux propriétaires de bâtisses, notamment sur les axes les plus passants, qui offrent quand même un aspect particulièrement disgracieux. La procédure plutôt musclée d'état d'abandon manifeste, qui nous amènera donc à écrire à un certain nombre de propriétaires qui auront 3 mois pour nous dire les diligences qu'ils voudront bien apporter à leurs biens, et qu'en l'absence de réponse, on sera en mesure de lancer par la suite une procédure d'expropriation, donc une acquisition à marche forcée pour une procédure qui prend tout et pour tout entre 18 et 24 mois. C'est un des outils nouveaux et supplémentaires qu'on va actionner dès cette année. Avant, puisque les études sont lancées, et je pense que pour début 2024, ça sera opérationnel, nous aurons l'opération de revitalisation territoriale qui va nous donner des outils nouveaux, fiscaux, juridiques, techniques, pour améliorer le bâti de centre-ville. C'est une des priorités fondamentales dans notre politique. C'est de réussir à convertir le parc de logements au centre-ville en un parc correct, qui aujourd'hui n'en offre pas du tout, pas suffisamment en tous les cas, la possibilité. Vous prendrez les prix des maisons au mètre carré. Grosso modo, on est à peu près comme Golbey et Épinal. Sur le locatif, on est 10% en dessous. Ce n'est pas parce que Thaon est mal placé. Thaon est mieux placé, d'une certaine manière, si on prend la logique de l'axe Mosellan. Donc ces différences sont liées à l'état des propriétés vouées à la location, avec un certain nombre de propriétaires qui, je crois, n'ont pas pris la mesure des enjeux. Donc on a tenté la voie amiable, on leur a mis à disposition de nombreux outils. Ceux qui ne s'en saisissent pas vont finir par comprendre qu'il va falloir y aller. Sinon, la force publique va intervenir. Et il y a d'autres dispositions qu'on pourra mettre en place avec l'opération de revitalisation territoriale. Donc on n'est pas une mairie communiste qui veut tout acheter, mais à un moment donné, il faut des impulsions pour encourager, si je puis dire, les propriétaires qui ne se rendent pas compte du mal qu'ils font à la commune et qui sont assis sur une situation de rente multiséculaire qui ne peut pas non plus ne pas avoir de fin. C'est l'intérêt de tous d'avoir une ville où les biens ont de la valeur. Et en l'occurrence, on va connaître une accélération significative de nos procédures. Je ne sais pas ce qu'elles vont donner. On gardera une voie amiable, bien entendu, dans un premier temps. Mais s'il n'y a pas de réponse dans les 3 mois des propriétaires concernés, si vous en connaissez certains, vous pouvez donc leur dire qu'à l'issue des 3 mois, on enclenchera donc les mesures d'expropriation. On ne sera sans doute pas en mesure de tout acheter, et ce n'est pas notre souhait. Mais il faut vraiment changer de dimension, c'est important. Merci Yannick, est-ce qu'il y a des questions, des compléments que vous souhaitez ? Non ?
Très bien. Bon, s'agissant du budget de l'administration générale, évidemment, ce n'est pas un budget de 6,4 millions qui permet à l'administration de vivre en vase clos. Hein. C'est bien sûr les dépenses support hein, qui nous permettent de mettre en œuvre tout ce que nous venons de dire, d'une manière générale. Donc, il y a des dépenses, par exemple, de ressources humaines que nous ne pouvons pas affecter ici ou là pour 2 200 000 euros. Les indemnités des élus, évidemment, également, qui représentent ce montant global. Des charges à caractère général qui sont difficilement ventilables. Hein, on n'a pas une comptabilité analytique, puis ça ne sert à rien d'aller là-dedans, c'est des pertes de temps pas possibles. Mais ça, on aurait pu ventiler ici ou là les dépenses liées à l'entretien d'un stade, ou en tout cas d'un équipement, ce qui est lié aux animations, etc., etc. Mais ça serait perdre beaucoup de temps. La communication pour 71 520 euros, et vous retrouvez en particulier le bulletin municipal qui concentre un montant assez important au sein de cette enveloppe, et des initiatives de communication, notamment le long de la RN57, où on va parler positivement de Thaon-les-Vosges, et puis des dépenses imprévues pour une toute petite enveloppe de 39 062 euros. Je reprendrai les paroles de notre DGS à Thaon, un sou est un sou. Et en investissement, donc les travaux de bâtiment pour 1 162 000 euros, avec donc l'acquisition de l'Arche Bernadette, le début des travaux de l'accueil de la mairie. On souhaite améliorer l'accueil dans cet ensemble désuet et vétuste. Et puis surtout, nous avons des problèmes d'infiltration hein, d'eau. Hein, les toits terrasses ne sont plus étanches, ni au-dessus de l'accueil, ni au-dessus des services techniques. Et le bâtiment risque d'avoir de fortes dégradations si nous n'intervenons pas. Mais on se contentera du minimum et d'une esthétique raisonnable. Le bâtiment de stockage actuellement situé juste à côté de Moustache Bikes, qui nous appartient encore, donc a donné lieu à une petite étude, et ce bâtiment peut être démonté, déplacé, donc nous envisageons donc de le déplacer juste au bâtiment des services techniques, aux avios, pour un coût d'environ quand même 60 000 euros, mais compte tenu de la surface, c'est beaucoup moins cher que d'en construire un neuf, et de mettre à la ferraille ce qui est aujourd'hui présent sur Moustache, et les travaux de l'espace Jules Ferry pour, évidemment, y transférer le Centre communal d'action sociale. C'est une action importante, hein, puisqu'on y retrouveront là-bas les principaux acteurs du social sur, qui relèvent de la commune, du CCS et le territoire zéro chômeur de longue durée. Voilà, et puis l'équipement de salle municipale, puisqu'on a envie quand même que les rétroprojecteurs fonctionnent, que les éléments techniques fonctionnent ici ou là, que ce ne soit pas toujours aléatoire, et donc 13 000 euros sont prévus à ce titre-là. Voilà, c'est terminé. Avant donc de peut-être de passer ce budget 2023, budget principal, budget 23 au vote, est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Oui, Romuald. Monsieur le maire, chers collègues, je voudrais juste argumenter le choix de mon vote qui va venir. En fait, on fait partie de commissions, on construit ensemble, on est écouté, on est entendu, on est parfois suivi dans les commissions. Donc le vote qu'on va faire derrière, c'est bien un vote que l'on a choisi personnellement et individuellement. Ce n'est pas des votes qui ont été influencés par l'extérieur. On ne fait pas du non d'opposition pour dire on est dans l'opposition, on va voter non contre les choses. Si on vote non, c'est pour des raisons. Il y a un élément sur lequel je vais voter non, donc je vais argumenter. Il y a une ligne, moi, qui ne me convient pas dans le budget présenté, c'est la taxe foncière, l'augmentation de la taxe foncière, qui a une augmentation de 403 861 euros exactement dans le budget. Donc tout à l'heure, vous avez annoncé 200 000, c'est un petit peu plus que ça. C'est un impôt qui est porté uniquement par les propriétaires. Tous les propriétaires ne sont pas des rentiers. Il y a les propriétaires subissent eux aussi l'inflation, ont des difficultés, doivent payer également l'augmentation des fluides. Donc je voterai contre le budget fonctionnement à cause de ça. Maintenant, je suis plutôt d'accord pour le reste des éléments. Donc malheureusement on peut pas voter ligne par ligne, donc je voterai contre le fonctionnement. Et
je crois que... Oui, c'est ça, pardon. Et donc, voilà, je voulais juste préciser encore que... redire ce que j'ai dit en introduction, c'est qu'on fait un vote individuel et pas un vote influencé. Voilà, certains peut-être comprendront ce que je voulais dire par là. Merci. Ce n'est pas mon cas. Mais merci de cette intervention. C'est vrai que... j'avais envie de faire une remarque que me faisait Christian Poncelet qui m'a dit « Axer, les élus, là, quand ils ne veulent pas voter les recettes, il ne faut pas qu'ils votent les dépenses. » Et ça m'a marqué, mais je n'ai pas envie tellement de répondre ça, même si en l'ayant dit, j'ai quand même fait passer un message. S'agissant de l'augmentation donc, de 400 000 euros de la ressource de taxe foncière, il y a deux éléments. Et c'est vrai que c'est important de le signaler, puisque globalement, il y a l'augmentation du taux qui, elle, va représenter un crédit d'environ 200 000 euros. Et l'augmentation des bases, elle, effectivement, va représenter à peu près l'autre partie pour un peu plus de 200 000 euros. Ce qui veut quand même dire que c'est tout à fait vrai, hein, c'est que l'augmentation du taux va représenter 200 000 euros de plus et que l'augmentation des bases est relativement importante. Donc la charge fiscale, elle va augmenter d'environ 10% effectivement pour les contribuables, en partie par l'augmentation du taux et en partie par l'augmentation des bases. En fait, pour ce budget, on aurait pu y arriver. Et on aurait pu ne pas augmenter les impôts, sans doute, cette année. En revanche, les augmenter dès cette année, ça permet quand même d'asseoir immédiatement la politique d'investissement qui est la nôtre et anticiper sur les difficultés majeures que nous aurons en 2024 et en 2025, conformément à ce que j'avais pu vous présenter lors des orientations budgétaires. Parce que globalement, il ne faut pas voter l'investissement. Pourquoi ? Parce que globalement, la recette foncière supplémentaire, que je ne vous propose pas de gaieté de cœur, hein, bien entendu, permet 200 000 euros d'épargne du coup par an, puisqu'il y a 200 000 euros de produits et de fonctionnement supplémentaires par an. Et ça permet globalement une augmentation de notre capacité d'endettement significative. On dit qu'en général, quand tu épargnes 1 euro, tu peux t'endetter sur 10. Donc ça permet globalement 2 millions d'euros d'investissement en plus. 200 000 d'épargne, c'est 2 millions d'euros d'investissement en plus. Donc si on n'y consent pas, il faut retirer 2 millions d'euros d'investissement prévus jusqu'à la fin du mandat. Sans compter ce qui est financé par l'épargne elle-même. 200 000 euros immédiatement disponibles en investissement. Donc, chacun fait ce qu'il veut, en son âme et conscience, individuellement ou collectivement. Mais je pense que pour pousser la logique jusqu'au bout, il ne faut pas voter l'investissement non plus, quoi, si on ne vote pas le fonctionnement. Parce que les deux sont intimement liés. Et j'en voudrais à personne, mais voilà. Je pense qu'à un moment donné, il faut comprendre la logique de la construction budgétaire dans son ensemble. Je sais très bien que tu l'as saisi, hein, bien entendu. Évidemment, chacun des votes sera ici respecté. C'est le sens de notre assemblée, c'est le sens du travail qu'on mène depuis le début de cette année. Et puis je voudrais remercier effectivement, tu l'as un peu fait d'ailleurs Romuald, c'est l'esprit d'entente et d'écoute qui règne dans les commissions, pour autant que les élus soient présents, et notamment ceux de la minorité. Mais il y a un esprit de concorde, de travail, des propositions peuvent être faites, elles peuvent être effectivement retenues, puisque, et je tiens d'ailleurs à rassurer tout le monde, quelles que soient vos positions ici, c'est en tout cas pas moi, ni l'équipe municipale majoritaire qui allons mettre en place de l'ostracisme, de la chasse aux sorcières, des rancœurs, que sais-je encore. Je crois qu'ici, chacun a sa voix pour apporter sa pierre à l'intérêt général, et qu'au-delà des 33 intelligences qui règnent au sein du conseil municipal, il y a également toutes celles de notre population et qui méritent effectivement qu'on ait des débats exigeants. Donc merci de l'avoir signalé. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a d'autres interventions, mais je voudrais aussi en profiter pour remercier, bien entendu, chacune et chacun dans le cadre de l'élaboration de ce budget. Puisque face à la difficulté, bien souvent vient la discorde. Parce qu'il faut un choix à faire, ce n'est pas évident. Renoncer à un certain nombre de projets routiers que nous avions envisagés, c'est difficile. Renoncer à construire une grande halle sportive, c'est difficile. Et globalement, je veux défendre ce budget jusqu'au bout
et je veux convaincre le maximum ici présent. Je respecterai la voix de chacun, mais je peux vous dire que les solutions n'étaient vraiment pas aisées. Et que je renonce pas, on ne renonce pas à acheter une Rolls-Royce ou à parer nos clenches en or dans chacune des portes qui consacrent l'organisation de nos bâtiments. Et cette douleur-là, je sais qu'on l'a tous partagée. Et j'en terminerai d'ailleurs par dire qu'elle était notamment et principalement également échangée avec les services de la commune, qui, par la voix et l'intermédiaire de la directrice générale des services, par l'accompagnement de Jade et par l'implication évidemment de tous les responsables de services, ont fait preuve d'adaptabilité pour qu'on y arrive. Et s'il y a une chose aujourd'hui, ce soir, qui me réjouit, c'est que j'ai le sentiment, pour la première fois depuis 3 ans, que nous sommes enfin prêts à affronter les défis qui sont les nôtres. Collectivement, c'est-à-dire tous ensemble, administration et élus. Et c'est pour ça que finalement cette liberté-là me satisfait encore davantage aujourd'hui, que je nous sens plus solides que nous ne l'avons jamais été depuis 2020 pour réaliser ce que nous avons à faire pour relever cette ville de Thaon-les-Vosges, qui n'était pas au niveau du caniveau, hein, mais qui mérite ce déploiement d'énergie et qui mérite cet investissement. Parce que nous portons tous ici une partie des suffrages et que nous avons cette responsabilité de faire prospérer cette ville qui est si chère à notre cœur. Voilà ce que je voulais préciser avant de potentiellement avoir d'autres questions, d'autres remarques, et de proposer ce budget aux voix. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions supplémentaires? Non? Oui, Romuald? C'est pas pour avoir le dernier mot. Non, mais merci de la pédagogie. Du coup, en fait, je voterai contre les deux. Mais pour assumer entièrement mon choix, et encore une fois, bien que je partage énormément de choses et d'envie de développer, je comprends, de par mon métier, j'ai parfois le même argumentaire, donc il n'y a pas de raison que je n'ai pas la même stratégie ici. Donc voilà, donc je voterai contre les deux. J'attends maintenant qu'on me demande de lever le bras. Donc, j'ai donc réussi à avoir plus de votes défavorables qu'avant l'initiative, mais ce n'est pas grave. Alors, je voudrais simplement, je peux être quand même persuasif, hein, convaincant, hein. Je voudrais simplement dire aussi, parce que j'ai oublié de le dire, c'est pas pour avoir le dernier mot, hein, Romuald, c'est plus général. C'est lié à la composition de nos finances locales. Il y a un vrai drame, hein, pour les communes, il y a un vrai drame. Alors, pourtant, aujourd'hui, l'agglomération d'Épinal s'en porte pas plus trop mal en 2022, puisqu'elle perd de plus en plus de pouvoir de taux. Mais globalement, tout est transféré, tout est en tous les cas muté par un transfert de TVA. Et évidemment, la TVA, elle augmente particulièrement, hein, dans le contexte d'inflation. Alors aujourd'hui, on est content, demain, on ne le sera peut-être pas. Vraiment la frustration que j'éprouve, hein, et je pense qu'on peut partager ici, c'est que nous n'avons plus que la taxe foncière comme levier. Et vous augmentez de 5%. De 5%, et vous obtenez, 5% c'est quand même effectivement un choix important, hein, c'est vrai, je partage, hein, et vous obtenez 200 000 euros. C'est-à-dire qu'avec une décision lourde et forte de dire qu'il ne peut pas être répétée dans le temps, puisqu'elle n'est pas très efficace, il faut l'activer de manière importante pour qu'elle le devienne, on a sur 11 millions d'euros, hein, une latitude quand même relativement modeste. Après cela étant, je sais que beaucoup d'élus, et je ne m'en cache pas, j'en ai fait reproche à un certain nombre de maires, hein, qui se plaignent de ne pas réussir à boucler les deux bouts, mais qui n'activent pas la fiscalité. Je veux dire qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on fasse face à nos responsabilités et qu'on essaie de trouver des solutions. Mais elles sont provisoires, précaires, et elles mériteront, j'espère, mais bon, on finit par désespérer, une réforme de la fiscalité locale qui nous permette de nous donner de véritables moyens. Ou sans nous donner le pouvoir de taux, qu'on nous donne un minimum des recettes qui progressent, des recettes dynamiques, et qui vont avoir au moins le même dynamisme que les augmentations qu'on peut accorder, par exemple, au personnel, qui sont totalement légitimes. Mais il faudrait quand même qu'un minimum, on nous donne une dynamique de recettes qui soit égale à la dynamique des dépenses que nous ne décidons pas. Mais ça, c'est un débat plus vaste que le législateur
devra sans doute, je l'espère, hein, dont le DGS devra saisir en loi de finances, mais ça fait des années qu'on le dit et il n'y a rien qui bouge. Donc, avec nos petits bras, on fait ce qu'on peut pour continuer à avancer. Voilà ce que je voulais simplement préciser, parce que c'est important de parler de cette fiscalité locale qui aujourd'hui est totalement exsangue, hein, ou quasiment, hein, c'est une évidence. Après, on est vigilant, c'est-à-dire que vis-à-vis du poids de la fiscalité locale, alors ça emmerde tous les propriétaires, hein, moi le premier, hein, c'est sûr, c'est une évidence, mais le poids de la fiscalité locale, si on veut la rapporter, c'est un peu crétin de le faire comme ça, mais bon, si on veut le rapporter au poids par habitant pour les communes de notre taille, on est largement en dessous. Enfin, voilà, j'ai le sentiment qu'on ne fait pas les poches non plus, si vous voulez, des propriétaires, même si on préférait diminuer la fiscalité ou la maintenir, c'est clair. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions, Aimerait ? Oui. Ouais, j'aimerais juste faire quelques remarques, notamment sur ce budget primitif, puisque effectivement, sur le fond, on peut constater que je ne veux pas faire une épreuve de conviction non plus, parce que visiblement, quand on essaie de pousser un peu trop loin, les votes sont plus défavorables, pour le coup. Mais pour rappel, quand même, on l'a quand même dit en préambule, c'est qu'il n'y a pas de zèle ce soir. Je ne sais pas si vous constatez tout de même le budget qui est présenté ce soir, comme l'a rappelé le maire, on n'est pas en train de faire une cathédrale, on n'est pas en train de repeindre les rues en rose, on n'est pas en train de faire. On fait du régalien. On veut mettre de l'argent où ? Dans nos écoles. Dans nos écoles. On veut mettre de l'argent où ? Dans nos voiries. On veut mettre de l'argent où ? Dans nos dynamiques associatives, dans la sécurité, dans la citoyenneté, dans les animations. Faire en sorte que cette ville soit dynamique, active, sportive, et qu'on puisse porter et surtout revenir à l'essentiel dans toutes nos démarches qu'on a pu mener jusqu'à présent. La position, elle est simple, Romuald, tu l'as rappelé, tu es défavorable sur le fonctionnement et l'investissement, notamment car ce budget est soumis notamment à une augmentation du foncier. Mais je rappelle tout de même que dans les commissions notamment, des avis favorables ont été apportés à l'unanimité dans toutes les commissions quasiment, puisque je ne suis pas forcément toutes les commissions, et qu'il y a un point spécifique sur la taxe foncière ce soir. Ce soir, on vote un budget. On est favorable partout, dans les commissions, autour de la table, sur le fond notamment, mais la hausse de la taxe foncière, c'est le point 5.3. Qu'est-ce qu'on veut ce soir ? Est-ce qu'on veut revenir à l'essentiel et faire en sorte que notre ville soit dynamique ? Ok, on est favorable. Et il y a un point 5.3 qui va évoquer notamment la taxe foncière. C'est sur ce point-là éventuellement que tu peux être défavorable, même si le budget il est soumis à cela. Voilà. Est-ce que tu veux répondre ? Et je n'ajouterai rien. Sur le document préparatoire, il y a une seule ligne où c'est écrit vote. Sur 5.2, 5.3, c'est pour ça que je me suis permis de le dire maintenant. Sinon, j'aurais évidemment séparé mes deux votes. Dans mon argumentaire que je n'ai pas présenté tout à l'heure aussi, je ne suis pas contre les impôts. Je trouve que la taxe foncière, c'est un impôt qui n'est pas juste. Voilà. Maintenant, je ne suis pas à la Commission des Finances nationales. C'est pas moi qui vote les impôts. La taxe d'habitation n'existe plus, donc c'est une perception en moins. La taxe professionnelle n'existe plus, c'est encore une perception en moins. Et voilà, j'en ai bien conscience. Maintenant, je vote avec les moyens qui existent et voilà les convictions qui sont les miennes. Donc voilà, merci. Je voulais ajouter quelque chose, mais je ne le ferai pas. Si je voulais parler de la taxe d'habitation, de la manière dont les territoires ruraux et industriels ont été cocufiés, effectivement, parce qu'on finance globalement la taxe foncière, la taxe d'habitation perdue des communes beaucoup plus aisées que la nôtre, mais on y reviendra plus tard. Je pense que nous avons bien échangé pour éclairer les débats. Je pense qu'il ne manque pas grand-chose. Alors, on vote sur le fonctionnement, puis l'investissement. Voilà, donc section de fonctionnement, qui est contre ? Voilà, qui s'abstient ? Je vous remercie. Abstention. 3. 3. Vous voulez les noms ? 3 abstentions. Section d'investissement, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Ah, vous avez hésité. Alors, très bien. Le budget est adopté. Je vous remercie pour cette prouesse, hein, dans un contexte plus que difficile. Et je renouvelle mes remerciements et mes félicitations aux élus impliqués et aux services qui ont abattu un travail considérable. Donc nous allons peut-être débattre sur les... Je vais peut-être vous parler de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, sur la fixation des taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
puisque nous devons prendre cette décision avant le 15 avril. Et il me semble logique de prendre cette décision en même temps que le vote du budget. Donc, vous savez qu'on n'a plus que ça. On a la taxe propriétaire, la taxe sur les foncières sur les propriétés bâties, puis sur les non-bâties. Alors, bon, c'est epsilon. Donc, je propose de ne pas passer notre vie sur le non-bâti. Sur la taxe sur les propriétés bâties, il s'est passé un truc, j'en ai déjà parlé, mais je pense que c'est le moment de le refaire, puisque c'est une décision très importante qui a été prise par le législateur sur proposition du gouvernement. Quand la taxe d'habitation a été supprimée, évidemment, c'était à peu près 600 ou 700 000 euros à Taon, et donc au plan national, c'était plusieurs milliards, le gouvernement et le Parlement a dit, bien sûr, il faut préserver les recettes. Vous avez perdu 600 000, il faut que vous retrouviez 600 000. La solution du gouvernement et donc du Parlement à l'époque a été donc de proposer que la taxe foncière qui revenait au département soit rebasculée totalement sur les communes. Bon, très bien, nous on s'est dit alléluia, puisqu'on perdait une taxe d'habitation à 16%, les bases, c'est à peu près les mêmes, donc je ne vais pas être trop technique. 16% à peu près de taxes d'habitation. Et le taux, lui, de la taxe foncière du département était de 25%. Alors, je me suis dit, chic, on perd 16%, mais on récupère 25%. C'est l'équivalent d'1,4 million. Payé par les Taonais, sur le territoire de Taon, je ne parle pas du reste. Sauf que le législateur a fait comme il pouvait. Et il a dit, mais non, vous aviez 600 000, on vous redonne 600 000. Et le reste de l'argent, il est où? Eh bien, il est parti. Il est parti dans les communes qui avaient un taux de taxe d'habitation supérieur à la taxe foncière de leur département. Et dans les Hauts-de-Seine, dans le Rhône, dans le 95, etc., qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez une telle richesse en base, notamment par l'implantation d'énormes sièges sociaux d'entreprise, que le taux il est minuscule. Et donc, le produit n'est pas très élevé non plus, puisque globalement, vous avez des départements qui avaient énormément d'autres ressources. Les droits de mutation à titre onéreux, par exemple, la taxe intérieure sur les produits de consommation de produits pétroliers, etc., etc. Ce qui fait que la taxe foncière dans les départements plus aisés pouvait être fait parce que vous avez énormément d'autres sources, c'est une dynamique importante. Sauf que les territoires ruraux, eux, qui n'ont pas tout ça, se sont saisis, comme le département des Vosges à l'époque, Feu Poncelet et François Vanson par la suite, n'ont pas eu d'autre solution à proposer à leurs conseils départementaux que d'augmenter le taux, parfois, de taxes foncières pour équilibrer leur budget. Parce qu'en plus, c'est dans les territoires ruraux que vous avez plus de difficultés à financer le RSA. C'est dans les territoires ruraux, en particulier, que vous avez les taux de chômage importants et une précarité qui s'installe, une précarité familiale notamment qui s'installe. Et donc, les départements ruraux ont dû faire face. Et lorsqu'on a supprimé la taxe d'habitation, et tout ça n'a pas été dit publiquement, lorsque la taxe d'habitation a été supprimée, eh bien, nous, on a récupéré notre argent. Vous êtes bien content, vous avez votre fric. Sauf que, il y a, à Taon-les-Vosges, 1 400 000 euros d'impôts payés par les Taonais, qui part à Rueil-Malmaison, par exemple, qui part ici et là, là où il y avait globalement une situation plus favorable. C'est sans doute, de tout temps, la pire réforme fiscale qu'on ait jamais eue. La plus honteuse, la plus insidieuse et la plus néfaste. La seule chose, c'est que, bien sûr, puisque en grand seigneur, le législateur, qui nous a donc donné une partie de la taxe foncière, nous a quand même donné tout le taux du département, mais nous repompe 1,4 million. Par contre, quand on décide d'augmenter les impôts, on les augmente, et en tout cas, on obtient le produit, sur l'intégralité de l'ancien taux. Très facile à comprendre, tout ça en plus. Donc, la seule chance que nous avons, en fait, dans cette équation, c'est que nous avons un taux à 41,12, et quand on augmente de 2 ou 3%, on augmente bien sur 41,12, et pas sur une seule partie de la ressource qu'on nous a donnée. Mais, comment on va faire pour faire comprendre ça aux contribuables? Il y en a un qui a une idée là-dedans? Ah, mais, il va bien falloir, c'est pour ça que je parle de réforme fiscale urgente et nécessaire, de mettre en adéquation les ressources fiscales sur les territoires avec les besoins des territoires, ça va devenir urgent. Ça urge
plus que jamais, pour que nous ayons des moyens supplémentaires, non pas simplement pour refaire les trous dans nos routes, non pas simplement pour mettre des LED à la place des halogènes ou que sais-je encore, mais pour qu'on ait la capacité de porter des projets qui vont permettre à la ruralité d'avancer et de se ressaisir. Et c'est vrai, en attendant, ben moi je vous propose ça parce que j'ai pas d'autres moyens. Voilà. Et j'en suis bien navré. Et j'aurais aimé vous proposer d'autres solutions, mais je n'en ai pas. Donc c'est ce qui m'amène donc à vous proposer la fixation suivante des taux d'imposition communaux, tels que je viens de vous les présenter, avec une taxe sur le foncier bâti qui passe donc de 41,12% à 43,21%, et une taxe sur le foncier non bâti à 24,26%. Voilà, donc si vous voulez, éventuellement, sur la base de ce... Alors, soit de cette évolution du taux, soit des explications que j'ai tenté de vous donner de manière la plus pédagogique possible, bien les entendre avant de mettre ce rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Non? Très bien. Donc je mets ce rapport aux voix. Qui est contre ces taux? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe sur une convention avec l'association Rescapat. On a vu tout à l'heure la... parce qu'on est dans les finances, donc on l'a remise ici. Hein. Tout à l'heure, on était sur une mise à disposition de matériel. Donc, nous avons, bien sûr, et Dominique Thomas en a rappelé tout à l'heure les termes, cette campagne qui a démarré l'année dernière et qui a donné satisfaction, que nous souhaitons donc poursuivre. Bien entendu, et là aussi, cela a été dit tout à l'heure, la Fondation 30 millions d'amis nous aide quasiment pour moitié de ce programme, ce qui est quand même à noter, et nous les en remercions. Donc nous avons imaginé une dépense globale de 9000 euros qui se décompose donc avec une prise en charge municipale de 4500 euros puis la participation de 30 millions d'euros, de 30 millions d'amis, pas 30 millions d'euros, ça réglerait nos problèmes, pour 4500 euros. Voilà, lorsque donc techniquement hein, la fondation perçoit la somme par la collectivité et reverse 9000 euros à la clinique vétérinaire Innova 3000, c'est la demande hein, de l'association 30 millions d'amis. Et en fin de campagne, il faudra justifier, bien sûr, les 100 opérations auprès de la fondation 30 millions d'amis dans le cadre de cette convention et d'une rigueur de gestion évidente. Rappelez peut-être effectivement qu'en 2022, comme nous le disions tout à l'heure, c'était 168 prises en charge, 93 chats stérilisés, identifiés et relâchés au lieu de capture, 70 chats proposés à l'adoption, 3 chats euthanasiés et 2 chats décédés avant l'identification et les soins. Il faut dire que parfois on récupère des chats dans un état pas possible et qu'on a très peur, tu t'es fait mordre, je ne sais plus, chez Molitor, non, c'est pas ça. Comme ça on sait tout ici. Il faut faire gaffe quand tu te fais mordre par des chats malades comme ça, tu récupères des trucs sans poils, etc. Non mais c'est quand même fou. Hein. Donc c'est pas toujours de tout repos. Et l'indemnité n'est pas toujours en rapport avec le risque encouru, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur cette convention? Non? Je la mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Allez, Masters de pétanque. On a accordé les crédits donc, dans le budget hein, pour 94 000 euros environ. Et donc, il y a la convention avec Caterbach. Je vous propose d'aller assez vite, puisqu'on en connaît les termes, que les conditions de la convention restent équivalentes à ce que nous avions pu déterminer en 2021 et en 2022. Cette convention, elle est de 49 500 euros hors taxe. Donc il y a d'autres dépenses à décaisser hein, pour organiser les masters, je n'y reviens pas. Il y a par exemple les frais de location de tribune pour à peu près 11 000 euros. Vous rappelez qu'on prévoit donc les 12 et 13 juillet. Donc là, ça va être un programme chargé hein, et festif. 12, 13, 14 juillet. Et puis début juillet également, où là, on va avoir le karaoké live, une épreuve potentiellement de 3x3 en basket qui va pouvoir se mettre en place. On va demander à nos services de s'accrocher sur cette période difficile, mais on va essayer surtout de bien anticiper pour que ça se passe bien. Donc les 12 et 13 juillet, donc, on aura le Master Jeune, comme d'habitude, et puis les épreuves le lendemain des Masters, tels que désignés, tels que télévisés, avec la même organisation, des équipes sélectionnées de niveau international, une équipe locale, et la production et la promotion télévisuelle, en indiquant tout de même une information importante, c'est que ce ne sera plus l'équipe TV hein, qui produira et
pourra promouvoir l'événement sur le plan télévisé, c'est la chaîne Eurosport, hein, où, bon, normalement, je ne pense pas que ça soit beaucoup mieux, pour être tout à fait franc, mais on aura tout de même le côté télévisé de l'épreuve qui permettra d'avoir une belle promotion encore de notre ville. Voilà, bon, je ne vais pas revenir sur le site, le terrain de jeu, ça sera le même que les années passées. On espère pouvoir faire un tournoi de gentleman sans eau cette année, puisqu'il a plu fortement. On a fait une pétanque, alors sans vraie boule, hein, je tiens à rassurer tout le monde, avec des boules en mousse dans la rotonde. Enfin, c'est finalement pas si mal, mais bon, on a préféré quand même le faire à l'extérieur. Une organisation sportive et bénévole qui est quand même assise sur un gros engagement des services, l'implication d'Emeray, l'application de Philippe Murat, qui est très très investi dans cette épreuve-là, les bénévoles de l'EST Pétanque, bien entendu, nous ne pourrions les oublier, tant ils sont à pied d'œuvre pour nous aider à organiser cette belle manifestation. Je ne reviens pas sur les alimentations électriques, les conditions techniques, ça me semble être de deuxième ordre. Voilà, je pense que globalement, on a dit des éléments essentiels. Je ne sais pas, à moins que tu veuilles peut-être apporter des précisions, Emeray, par rapport à cette convention, à l'esprit global des Masters. Non, c'est complet. Donc, je vous propose de répondre aux questions, si vous en avez. Et peut-être, alors elle n'est pas posée, donc je ne vois pas pourquoi j'en parle, mais ça me vient à l'esprit. On aurait pu dire, par exemple, on retire les Masters de Pétanque, on aurait retiré, non pas 100 000, hein, entre 45 et 50 000, en disant on aurait pu apporter cet effort. Je crois que c'est important dans les moments difficiles, à l'inverse, de ne pas perdre non plus les notions d'attractivité du territoire, et de réussir à continuer à attirer les regards sur Thaon-les-Vosges. Donc cette épreuve, elle fait vraiment partie aussi d'une volonté de que les projecteurs se braquent sur Thaon-les-Vosges. C'est le genre de choses qui fait que, sans doute, au gré, au fur et à mesure, bah, de nouvelles personnes veuillent y habiter, s'y développer, y investir et contribuer à l'augmentation des valeurs de nos maisons. Mais pas trop, parce que ça fait des taxes foncières derrière potentiellement plus importantes. Mais la boucle est un peu bouclée. Voilà. Mais si vous avez des questions, essayez d'y répondre, sinon je mets ce rapport aux voix. Non, pas de questions. Très bien. Qui est contre? Masters de Pétanque, qui s'abstient? Contre la convention. Très bien. Adopté à l'unanimité. S'agissant des subventions aux associations sportives, je laisserai Emeray dévoiler les sommes qui ont été discutées en commission et des sports et finances. Je ne rappelle pas l'équilibre, on l'a dit tout à l'heure, donc je ne reviens pas dessus. Je voudrais simplement faire une précision. C'est l'absence de proposition de subvention à l'association de karaté. On a un problème majeur avec les antécédents liés à certains agissements présumés sur l'association de karaté, m'amenant à écrire au procureur de la République le 22 novembre dernier afin de lui demander une enquête sur des détournements de fonds présumés pour des sommes importantes. Donc je pense que dans l'attente d'une enquête, j'ai d'ailleurs dû déposer plainte ce matin, puisque le procureur a décidé d'instruire l'affaire. Donc j'ai déposé au nom des habitants de Thaon-les-Vosges plainte ce matin aux gendarmeries de Thaon pour bien nous constituer en qualité de victime. Nous avons versé des subventions par le passé. Elles ont potentiellement peut-être permis en partie des dépenses sur lesquelles je ne peux pas revenir ici dans le cadre de l'enquête, mais je voulais quand même vous le préciser au cas où il y aurait donc des... Si on ne voudrait pas mettre davantage en difficulté l'association, mais il faut quand même qu'on se garantisse d'un certain nombre de choses par rapport aux agissements internes. Ça me semble important de vous le dire. Voilà simplement ce que je voulais dire en préambule. Emeray ? Monsieur le maire, mes chers collègues, tout d'abord vous précisez donc effectivement les contours et l'enveloppe budgétaire allouée aux associations sportive a été discutée en commission des sports et a recueilli un avis favorable à l'unanimité. Et les montants qui seront alloués aux associations sportives en détail a recueilli également un avis favorable à l'unanimité de la commission des sports. Je vais être très synthétique et assez rapide sur le sujet. La volonté a essayé quand même de maintenir cette enveloppe budgétaire pour permettre de continuer de soutenir le dynamisme associatif dans notre commune. Donc pour l'EST athlétisme, donc ce sera une subvention à hauteur de 24 000 euros. L'EST football, 55 000. L'AS Girmont Foot, 750. L'EST basket, 12 000.
l'EST Groupetto 5200, l'EST Gymnastique 10000, le Siam Boxing Thai 2700, l'Aïkido 820, l'EST Natation 18480, l'EST Pétanque 2500, l'EST Tennis 7400, l'EST Tennis de Table 3000, l'EST Tir 7000, l'EST Tir à l'Arc 2300, l'EST Triathlon 1500, le Tennis Ballon 150, l'EST Judo 2200, ce qui fait donc un total de 155 000 euros de subventions comme l'année dernière. À cela, il conviendra d'ajouter également deux subventions. La subvention à l'EST Central, à hauteur de 2500 euros, qui permet de financer notamment les activités comme l'arbre de Noël, la fête de la bière, le fonctionnement global de l'EST Central. Et une subvention qui est chaque année exceptionnelle pour le boulodrome couvert de l'EST Pétanque de 2200 euros. Voilà. Je vous remercie. Merci, merci Emre. Il est vrai même que... globalement, les charges des associations augmentent aussi. Les charges de personnel, les charges de carburant, les charges de fluides, les charges... Alors, les fluides sont très essentiellement pris en charge par la ville, mais elles sont assez couvertes de ce point de vue-là. Mais aujourd'hui, tu as un animateur, un éducateur qui travaille bien. Tu n'es pas capable, dans le cas de l'inflation, de lui mettre un peu plus. Et le risque de le perdre aussi. Vous voyez, on est dans un contexte difficile dans le tissu associatif. Donc, c'est au moment où il reprend, je pense qu'il faut... affirmer une forme de soutien, mais encore une fois, dans des proportions très maîtrisées et sans proposer... Vous vous rendez compte, quand on remet tout ça en perspective, en une année, on prend 400 000 euros dans la vue de frais d'électricité. Et regardez le potentiel globalement d'appui que ça pourrait donner au tissu local. Quand on remet tout ça en perspective, c'est affligeant et ça donne le vertige, à vrai dire. Veux-tu bien demander la parole, citoyen ? Vas-y. Merci Jean-Louis, ça vient d'un ancien footballeur qui, a priori, s'illustrait par le côté très rude de ses interventions sur le terrain. C'est Dominique Galotti qui le dit. Non mais t'as raison, non mais c'est vrai, on aurait pu revenir sur tout le palmarès. Ça va être le sens des étoiles sportives au mois de juillet. On a envie de montrer, c'est un marqueur, j'y reviens encore une fois, mais c'est quelle fierté, bon sang, ces sections sportives à Thaon-les-Vosges. Quelle fierté, bon sang, c'est notre marqueur. Faut pas perdre ça, sinon on n'a plus d'identité ici, ville dortoir. Donc... et on ne veut pas ça. Donc merci de cette intervention. Est-ce qu'il y en a d'autres, de ce style ou dans un style plus académique ? Non ? Tout le monde a sa place autour de cette table. On met ce rapport au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Oui, non-participation au vote, plutôt. Pour Denis Baptiste, Karine Beach. C'est tout ? Voilà. Nos participations au vote. Très bien. Je vous remercie. Et ça leur sera prochainement notifié avec un premier acompte qui interviendra rapidement, notamment compte tenu de tout ce qu'on vient de dire. Oui, 60%. Le tableau des effectifs, si vous voulez bien. Alors, il était annexé au budget. C'est un tableau en date du 1er janvier 2023 sur lequel il va falloir revenir en profondeur, qui n'est plus du tout d'actualité, mais... je veux aussi préciser qu'on a renouvelé intégralement le personnel des ressources humaines à Thaon-les-Vosges dans le cadre de départ souhaité. Nous, j'y suis pour rien, pour le coup, en tout cas en cette affaire. Et donc nous avons là deux agents, le deuxième agent qui vient d'arriver aujourd'hui, mais on a fait pendant quelques temps avec personne. Donc il a fallu que la DGS fasse les payes, grosso modo, avec les gens de la compta. On a quand même été dans une situation difficile. Donc le nettoyage du tableau des effectifs, entre nous, c'était franchement pas la priorité. Mais nous allons, quand on sera plus serein, reprendre ce travail. On vous reproposera un tableau des effectifs, mais je dois quand même, dans le cadre du budget, vous le proposer dans une délibération distincte. D'ailleurs, vous le voyez, les effectifs budgétaires au 1er janvier 2023, 129, pourvu 88. Il n'y a pas 50 agents à recruter dans la collectivité. Donc, il y a un profond nettoyage qui sera fait, bien entendu.
voilà, il y avait aussi, il y a 88 effectifs pourvus, dont des temps non complets pour 23. Voilà, donc je vous demande d'adopter un tableau imparfait, si vous le voulez bien. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie pour votre diligence et votre tolérance. S'agissant donc toujours du personnel communal, au niveau du tableau des effectifs, demandez donc globalement la création d'un poste qui donnera lieu donc à la suppression, bien sûr, d'un autre poste lors d'un prochain conseil municipal après avis comité social territorial. Il y a un agent qui a réussi un examen donc de rédacteur, concours de rédacteur à temps complet que nous souhaitons nommer, puisqu'il présente, cet agent présente les compétences. Non seulement il a obtenu le concours, mais en plus, on considère qu'il dispose des compétences pour exercer ses missions dans un contour un peu nouveau, qui d'ailleurs le sera dans une nouvelle configuration de poste. C'est un agent qui va changer de poste dans la maison. Je ne peux pas donner son nom, j'aime bien ces mystères. C'est un peu ridicule d'ailleurs, mais enfin, c'est comme ça. Voilà. Et donc, on est plutôt content de cette réussite, on est plutôt content de pouvoir lui proposer cette évolution. Voilà, on pourra le dire en coulisses tout à l'heure, quand tout sera éteint. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord sur cette création de poste? Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez voter contre, vous abstenir. Très bien, c'est adopté. Quelques affaires diverses très rapides, puisque nous avons hâte de rejoindre la CAT à la Saint-Patrick. Je vous invite chacune et chacun d'ailleurs à aller... Allez prendre un verre, d'ailleurs, mais vous payez. Oui, François, c'est pour toi que je le dis, d'ailleurs. Vous parlez donc d'un certain nombre d'événements à venir. Mais les agriculteurs sont connus pour leur capacité à maîtriser leurs dépenses. Vous y êtes contraints, cher ami. Grosse manifestation du carnaval, on aimerait, le temps a l'air un peu plus propice, visiblement, on est très heureux, on le mérite à vrai dire, faut dire. Donc à 15h, rendez-vous, et un peu avant, si vous voulez vous faire maquiller, à 13h30, le centre social maquille, vraiment une belle collaboration avec le centre social, faut saluer franchement ce qui se passe avec le centre social. On est passé dans une autre galaxie, bravo notamment aux équipes de Christian Borowski. Le carnaval, ne partez pas sans signer, j'aurais voulu commencer par cela, il y a l'émargement et les pièces du précédent conseil municipal à signer. On va saluer sa présence, parce que c'est la cadette dans cette salle, et Inès Marker qui a suivi l'ensemble du conseil municipal. Voilà, il y a la vitalité démocratique dans cette commune. Donc, je ne sais pas si tu reviendras la prochaine fois, ça peut être paru un peu long. J'espère que c'était intéressant. Et vous annoncez également que nous avons donc trouvé et recruté, il est en poste, un nouveau responsable des services techniques qui a été présenté au bureau municipal, mais dont je vous parle ici, qui fera bien sûr l'objet d'une présentation dans le prochain MAG. C'est Jean-Marc Pierra, qui nous vient donc de Luxeuil-les-Bains, où il avait la responsabilité des services d'entretien de l'espace public et notamment des espaces verts, et qui dont les premiers pas sont satisfaisants, prometteurs. Nous jugerons sur pièce, mais en tout cas la posture et l'attitude est bonne, et nous en sommes pour le moment effectivement voilà, très contents. Je ne sais pas si vous aviez d'autres remarques ou des questions d'ordre divers, vous pouvez le faire, n'hésitez pas, sinon nous clôturerons cette opération et on pourra se retrouver de l'autre côté de la rue si vous le souhaitez. Non. Très bien. Eh bien, merci à toutes et tous. Le prochain conseil municipal, c'est quoi la date, Céline? Oh, la colle. Bon, il y a un conseil municipal au mois d'avril, mais la date, je m'échappe. Voilà, donc, Jade, tu sais pas? Vous dormez? Bon. Eh bien, il y aura un conseil municipal au mois d'avril. On vous recommunique la date très prochainement avec, d'ailleurs, l'ensemble. On va établir un calendrier annuel de conseils municipaux. Très bien, merci et très bonne soirée.